Hey, bon, c'est Topkam aujourd'hui sur Grandia 2, la dernière fois. Ça fait au moins une bonne semaine, mais on va pouvoir continuer un peu aujourd'hui. Donc, mon stream commencera après ce jeu, ce qui va me faire beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Mais c'est pas grave, je veux faire celui-ci au moins ce soir. Nous sommes bien sûr pas en streaming, c'est évident, sinon ça déconne. Et ne déconnez, faut pas que ça arrive. Ce que j'ai fait de mon côté, j'ai rééquipé un peu mon stuff que j'avais acquis au préalable. En l'occurrence, maintenant, j'avais une épée de flamme, je l'ai prise. Parce que la zone suivante, devinez à quoi va être. Vous pouvez pas savoir, mais vous saurez vite fait. J'ai mis cette main ici sur lui, étant donné que ma règle a une défense qui est déjà supérieure à la sienne. Je me suis dit, ouais, autant équiper celle-là sur Rio 2, tout sera mieux. En termes d'équipement, pas grand-chose, j'ai rien acheté, pour être franc. Niveau power-up, j'ai pensé tous mes points de magie et de skill. The barre de côté ne sert absolument à rien, sauf pour s'en équiper pour être plus puissant. Donc ouais, booster un petit peu force, sans être DPS plus fort, toujours intéressant. Point de vie en plus, pourquoi pas. Sur elle, bien sûr, n'oubliez pas d'équiper votre power-up que vous avez mis avant, pour pouvoir que ce soit utile et puissant en AE. Défense sur lui, il est moins costaud donc, pourquoi pas. Et lui a rien, il est pour l'instant nickel, pardon de te faire chier à l'équiper, no problemo. Donc ouais, mis à part ça, je vais booster un peu ma magie, à droite à gauche, pardon, essayer de rééquilibrer un peu mes stats, essayer de découvrir d'autres pouvoirs avec mon groupe, justement, où mes magies sont utilisables sur genre un ou deux gars, et après, c'est tout. Les autres gars n'ont pas accès à un gros potentiel en termes de DPS ou d'utilité avec leur magie. Généralement, c'est une AE, et c'est plié, ou alors un ou deux skills, et c'est plié. Donc ouais, je vais acquérir de magie spéciale, utile en termes de soutien ou DPS, et moi, je pourrais avoir un impact significatif sur le courant de la game, et surtout pour plus tard. Il n'y a rien de plus pénible que votre gars, il dépensait tous ses points d'énergie en termes de technique, donc il n'a plus aucun skill, et de voir qu'il a plein de mana sans aucune réelle utilité. Donc oui, booster un de vos gars pour qu'il ait un DPS énorme en AE, ce que j'ai fait, et très pratique au début, pour que le combat soit chiant, mais justement, ils sont tellement simples que c'est beaucoup plus rapide, et vous allez gagner une tonne de temps, ce que moi je veux faire. C'est bon, le combat, comme on a vu avant. Ok, c'était pas difficile, les boss sont très costauds, mais plus tard, tout ça va être littéralement évanoui, tout le monde va être surpuissante. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas surpuissants. C'était devenu la même musique, peut-être. Est-ce que Rowan sait? Est-ce que Ryudo sait? Est-ce que Mag en a une foutue idée? Tout le monde s'en fout. Elle flippe. Bon, t'en penses, toi? Pas grand chose en même temps, plutôt encore moins sur moi, assurément. Ouais, tu n'en sais rien. Souvenir, tu dormais. Yep, elle nous a fallu un sacré coup de main. Sans elle, nous ne serions pas parvenus. Je dirais qu'elle a absorbé ou un truc du genre. Je sais pas pourquoi ni comment, mais. Oh oui, l'homme bizarroïde là, le gros obèse. Ouais, elle a pris son âme. Parce que, bon, il avait l'âme de Valmar, donc j'imagine que son âme en même temps est morte. Et lui aussi. Mais pour autant, on s'est quand même fait chier à le porter chez lui. Je sais pas pourquoi, mais. Ok, c'est vrai qu'on a plus rien à dire. Finissons-en. Direction cathédrale. Un lieu saint. Ouais, t'as pénétré ta honneur, cette défense. Hein, quel est ce bruit? Serait-ce un de ces fameux esprits qui traînent? Hein? Hein, Rudo? Quand t'es fantaisie. Non, c'est de la fantaisie! Pas être réel. Darkness is coming. It's calling me. Darkness is calling me. Elena. Tu crois pas, elle est folle. Cette lumière, c'est folle. Bordel,
forcément, aller d'un point A à un point B dans un RPG. Si jamais c'est simple, c'est pas juste marcher et vous y arrivez. Non, non, forcément, pour que l'histoire se développe un peu plus et qu'il nous arrive une tonne d'accidents, sinon c'est beaucoup trop simple et beaucoup trop linéaire. Donc ouais, en faisant maintenant ce jeu hors-screen, les mots que j'avais avant, vous avez vu, aucun souci. Ce truc qui est chiant, et que je ne peux absolument rien faire en l'occurrence, c'est l'espèce de crépitement que de temps en temps vous avez, l'espèce de... qui vient de temps en temps, je ne peux rien faire, ça me faisait avant le streaming, même de mon côté, donc non, je peux pas, vraiment, c'est mort, caput. Mais, lunettes rouges, est-ce un signe? Ouais, à votre avis, c'est un peu tout évident. Sommes-nous blessés? J'ai mes deux jambes. Parfait, on peut marcher au moins. Oh, c'est vrai, il manque quelqu'un. Totalement oublié. Ouais, qui est tombé plus tôt, de beaucoup plus haut. Les chances de rester en vie sont minces. Je veux dire, nous, on est tombé avec l'appareil. Donc éventuellement, on a réussi à s'accrocher à quelque chose, on est tombé sur de la moquette, ou... je sais pas, quelque chose pour nous... c'est peut-être une chute trop grave, mais c'est tombé l'appareil, elle, là, c'est un petit morceau maintenant. Son odeur. Est-ce bon signe ou pas? Ça doit être correct. Suivons ce chemin qui a l'air totalement linéaire et droit. On sait jamais, il aurait pu sentir du sang ou un truc du genre, donc cela, ouais, elle aurait pu être blessée ou morte. Et... Elena. Oh. Elena. Wake up! Hey, ça marche! Le jour où je serai parent, je serai pareil, quoi. Who are you? Debout! Debout! Where are we? Where are we? Well, I'm not quite sure. Oh, I know. See that shiny plate lying over there? Ooh, shiny. Over there. Oh, je crois que c'était une tente, vu de hauteur. Pourquoi une tente déjà montée ici? C'est pratique, c'est rapide, mais... non, c'est pas Kishua. Pleased to meet you, Miss Elena. I'm Millennia. You okay? I must be dreaming. Elle va être encore plus folle. What's going on? I just thought it'd be hard to talk if we couldn't do so face to face. So, here I am. Ta-da! T'as pas menti, hein? You filthy dark one, devourer of souls, stay away from me. Hey now, you don't even know me. I did save you after all. You saved me? Ouais, t'es intact. That's right. You should be thanking me. We share the same body, don't we? Oh, I've got to look out for the both of us. Non, déjà? Non, je t'aime! Millennia! Millennia! Elle te connaît, elle, mais toi, tu ne la connais pas. On devrait pouvoir y arriver, s'ils partagent le même corps, de partager les mêmes pensées ou les mêmes sentiments, peut-être. Ouais, maintenant il est encore plus pourri du cerveau que jamais. Elle a pas l'air blessée, non. Donc ouais, je pense que Mélina l'a sauvée pour se sauver elle-même. Si Elena meurt, elle va mourir aussi, peut-être. Je ne sais pas. Bah, c'est dur à dire. Avant, elle avait réussi à la posséder. Quand un peu quand elle le voulait. Quoique. Non, elle a toujours fait quand elle dormait, non? La première fois, elle l'a fait lorsqu'elle était dans l'église, en train de se reposer. La deuxième fois, elle l'a fait dans l'autre endroit, où elle a picolé, avec ses churros bizarres. Donc, elle sent pas contrôle tout le temps. Même si là où elle était à moitié endormie, j'imagine, elle aurait pu le faire, quand elle voulait parler. J'ai pensé à ça, mais. D'accord. Bon. Au moins maintenant, elle a ça en tête. Mais ouais, maintenant ici, elle n'est pas avec nous. Oh, elle nous a filé en commun pour le boss. Pour le boss, elle s'est fait bouffer. Elle est devenue inconsciente là-dedans, peut-être. On n'en sait rien, c'était... on ne pouvait pas voir.
Bon, j'imagine, certainement. Mais, pêchons-nous, avant que ce soit morte. Du coup, c'est quoi ça? Une boîte noire? Non, c'est moi un bout de notre appareil qui est tombé. Mais du coup, on est nous? Est-ce que nous sommes encore dans... à proximité de la faille? Ou nous sommes dans la faille? Ça, j'en sais rien. Mais je suis sûr, ici, il y a de la neige. Et du coup, devinez à quoi les adversaires sont faibles ici. Hein? Devinez à quoi? Si tu ouvres une glace, ça va chier. Non, non, les mecs ici, ils sont vulnérables au feu. Donc, si maintenant vous avez acquis la flamberge au niveau d'avant, c'est un gros boost pour Yudo. Le Mirflower, c'est un objet consommable. Yep, elle est ici. Restart 25 PM. Ok, si par hasard vous êtes à court de PM pour l'énergie, dans une zone qui est difficile, ou devant un boss que vous galérez, ceci peut refiler un coup de main. Alors, après, forcément, pour devant les boss, vous avez un point de sauvegarde pour vous régénérer, mais si vous n'avez pas pensé à le faire avant, pour ne sais pas quelle raison, ceci pourra refiler un coup de main. Et de l'or par terre, c'est pratique. Dans cette zone. Ici, j'ai beaucoup fermé, enfin, pas beaucoup fermé, mais à une époque, je suis resté assez longtemps, parce que les mobs, qui sont vulnérables au feu, vous pouvez les tuer en un seul coup. Et je crois que si vous appuyez sur ces arbres, yep, la neige tombe et vous ralentit. C'est pas dramatique, c'est pas capital, mais bon, c'est là que... N'enregistrons pas, je pense que je suis assez puissant pour pas crever. Et bien sûr, comme ennemi ici, nous avons des Bigfoot ou des Yeti. Yeti, je crois. Bigfoot, ok, peu importe. Donc ouais, pour ce combat maintenant, vous faites pas chier. Vous bourrinez, si vous voulez cancel ou ralentir, vous pouvez le faire, étant DPS, pas les couilles. Hop, vous allez dans votre magie, vous lancez Burn Flame sur celui-là par exemple. Et t'es avec moi, ça suffit. Forcément, si votre gars est plus loin que l'autre, c'est la merde. Et c'était contraire ce que merde. Oh, regardez ça, ce mec, comment il est. Il est nul à chier, ce Rohan. Il pue du fion, vraiment. Mais bon, directement, c'est pas aussi chiant. Vous lancez votre pouvoir, et ça marche direct. Si votre fille est forcément rapide, si elle est lente, ça marche pas toujours, pas vraiment. Qu'avons-nous ici? Bon, ça se décide. Si vous voulez plus de... une cave? Je me souviens pas de ça. Je crois que j'ai encore vu un Yeti quelque part. Yep, non, ici, il pop par 2 ou 4 des fois. Si vous en avez 4, tant mieux. Et bien sûr, ce que vous voulez, c'est que Elena soit en deuxième ou en première position. Comme vous n'avez aucune influence sur comment ils vont être, forcément, c'est assez chiant. On peut cancel celui-là. Et du coup, vu qu'il est solo, juste burn. Il suffira. Donc ouais, le seul problème qu'il y a, c'est ça. Si elle arrive à être prioritaire, c'est nickel. Sinon... bah... ouais. Vous allez prendre des coups, éventuellement, ou les amis vont se... s'éparpiller. Vous n'aurez pas accès à... aux dégâts pour les flinguer en un coup. Ce qui... ah, que c'est chiant. Vous ne pouvez rien faire. Mais, prenons ça à moi. Un autre? Non. Ok, juste une seconde, je crois que j'ai un bug vidéo, je règle ça et je suis à vous dans genre 5 secondes. Ok, on va voir si c'est mieux. Une espèce de bande noire qui apparaît de temps en temps. Vu que tout à l'heure j'ai fait quelques rapistolages. Oh, ouais, je m'en souviens maintenant de cette zone. On se souvenait pas avant, mais... devons-nous aller? Pas ici sûrement, hein. Toujours à droite, je présume. Alors allons à gauche, découvrons quelques mystères. Ça se met la flèche m'indique tout droit. Oh, ces créatures. Ok, demi-tour. Mon rôle est beaucoup plus vaste que je pensais. Récupérons sûrement un trésor qui traîne ici. Sinon, tant pis, ils iront par là. Voilà. Toujours essayer de faire ça. C'est un peu chiant d'aller au bout du niveau et faire tout demi-tour pour récupérer ce précieux pognon qui est quand même à 1200, ce qui est plutôt bon. Nous avons des ennemis qui, je crois, que sont un peu plus chiants que les Yetis. Ok. Il y a deux groupes, pas un seul. Ok, c'est quoi, Mantis? Des crabes géants. De mémoire, ces créatures ont du sommeil, il me semble. Et leur coup physique peut vous vampiriser ou un truc du genre, ce qui est forcément très très chiant aussi. Mais heureusement, le feu marche également contre eux. Je suppose.
Yep, ça marche aussi. Ce n'est pas aussi efficace que la... Comment dirais-je? Sur les Yeti, forcément. Nos points de vulnérabilité au feu aussi évidentes que les leurs. Mais au pire, la foudre devra fonctionner. Donc ouais, ces mecs sont chiants pour une raison. Quand ils sont énervés, ils sautent partout et vous gangbang. Yep. Du coup, ils ont quoi? Je veux dire, à part auto-attaque. Enfin, des attaques pas beaucoup. Ils ont... Yep. Danse de sommeil. Donc, à votre avis, ça inflige sommeil. Et ils tapent beaucoup. Donc, si à vos combos, c'est actuellement plutôt chiant. Mais pas de soucis. Ils ont la même chose. Et sur cela. Donc, ouais, j'ai beau avoir joué à ce jeu il y a beaucoup d'années quand même. J'ai quand même de souvenirs corrects des choses qui sont chiantes ou pas chiantes. Et dans ce jeu, le sommeil est très chiant, oui. Ok, un petit peu d'or en plus. Et j'entends d'autres créatures qui traînent au coin. Ils sont... soit par là-bas. C'est-à-dire qu'on doit aller tout droit ici. On sort de la zone. Hein? Alors, si on sort, allons là avant. Et... Oh, oh, je crois qu'il y avait rien. Ok, sans faire le tour. Je connais le flinguer, pas de soucis, mais... De l'herbe. Encore une. Toujours intéressant à prendre. Au pire, sera revendu, mais... Honnêtement, vos consommables, laissez-les de côté. Ils vous fileront un coup de main... Généralement. C'est la même chose ici. Yep, on tourne sur nos pas. Bon, allons prendre cet or et flinguer cette merde. Ou l'inverse. Ok, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait demi-tour pour prendre le point de sauvegarde, pour me régénérer. Comme ça, on est bon. Mais ouais, pour XP, n'allez pas dans ces grottes. Ces grottes pour XP, même si ça donne l'expérience compagnie, c'est nul à chier, pardon. Si vous voulez avoir un meilleur temps pour farmer ces Yeti, si vous voulez, vous pouvez également, à la place, utiliser cette, ce talent pour l'intelligence, où maintenant on a accès à 3ème, parce qu'elles sont passées au niveau 20, et du coup, elle a accès à un talent en plus. On va sûrement améliorer celui-ci pour gonfler ses points de mana. Et plus il a de mana, plus on peut lancer de magie. Et vu que c'est pas trop mal actuellement, hein, c'est pour ça que mais c'est... J'aurais dû le faire avant, pour me régénérer sur le coup, mais... J'y pense que maintenant, bref. Voilà, 20 mana en plus, ce qui donnera accès à... 1, en boule de feu, une, enfin, ouais. Une voire deux, limite. Et ça va être bon. Si on est à 2, donc éventuellement un groupe de 4. Juste au cas où, vous avez une arme de feu ici. Tout ce qui est arme élémentaire, gardez de côté si vous voulez une arme qui est pas du même élément. Si vous tombez sur des mecs qui sont puissants en feu, votre arme affichera 0 points de dégâts. Du coup, prenez une note au cas où. Et apparemment, je me suis fait surprendre pour je ne sais pas quelle raison. Je pensais leur avoir tapé dans le beignet d'abord, mais il semblerait que non. Non, je vérifie s'il y a un truc qui est caché justement dans les arbres, si ça tombe. Je n'en ai pas souvenir, mais. On sait jamais, c'était un RPG. Chose plus invraisemblable, il pourrait se rien de la sorte. Mais non, non. Bon. Un arbre. Que dalle encore. On peut aller là-dedans, on dirait. Et c'est là qu'on doit aller, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais. Écoutez, ça va comme ça qu'on doit faire ça. Yep, je vois un autre à récupérer, ce qui est malheureux. Et de l'argent. Ok, bon bah allons dans l'arbre où il y aura sûrement aucun Yeti et qu'il y aura sûrement. Yep, une tonne de ces créatures qui sautent partout. Tous ces crabes sont extrêmement chiants. Qu'est-ce que tu bois toi? Arrête de boire! T'as fait tuer la fille à la place, mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'il y a un boss ici, je m'en souviens plus du tout. Mais tant qu'à faire, autant tout s'éclinguer. C'est libérer un chemin potentiel. Bon pour moi. Ok, ma flèche m'indique de l'autre côté. Je vois. Bon, alors je suis un coup d'œil par là. On voit rien, mais fais les efforts. C'est quoi cette merde? Oh, je vous ai vu dans le premier Grandia. Faites du poison, je crois, encore à corps, hein. C'est ce que c'est. Hein, des grosses chenilles. Si tu le dis. Chenilles. Ouais, on verra bien. Celui-ci est loin, celui-ci verra si le feu est efficace. Le feu fonctionne partiellement.
C'est pas ce que j'aurais voulu voir, mais... Attaque, attaque et attaque. Ok, finis-le si tu peux. Non, je dirais que tu es beaucoup trop lent. Et tu attaques lui. Ok, ils ont l'air lents. Du coup... J'ai appris ce skill là aussi. Il y a tant qu'à faire, on va vous le montrer. Yep, et sinon le 10 seconds celui-ci. Il a éventuellement une grosse défense, donc profitons-en. Yep, niveau 3 je crois. Yep, poison. Mais heureusement le mec n'a pas été touché par le poison. Yep, c'est niveau 1, mais ça inflige très mal. C'est juste qu'il ne peut pas cancel. Pour ma règle, j'ai fait la même chose. Je lui ai mis ce skill là aussi. Parce que ce skill est très puissant. On n'a pas encore vu ma règle, nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, on va heal, avec bien sûr un gars qui n'a pas accès à un sort offensif. On va se faire baiser deux fois de suite à cause de mes conneries. Ah. Oh que dalle. D'accord, c'est un bon début. On sait du moment qu'il y a un truc à la fin, une pomme ou un truc ridicule. Il m'aurait pas dérangé. Tue Elena! Pas loin. Caterpillar. Ces créatures attaquent en AO. Oh! Oracle Staff. Attaque en AO, si jamais. Donc, si vos gars sont en proximité, ils pourraient tous être empoisonnés. Oracle, hein. DPS plus fort, pourquoi pas. Et ça cure la confusion. Ok? À moins que ce mec a fait de confusion. Et que les poisons, c'est uniquement dans le premier Grandia. Vu que nuage est vert, je me suis dit qu'éventuellement c'était un poison. Bon. Il y en a encore plein encore. Je croyais pas moi. Je sais que c'était fini. Est-ce le bon ici? Si, si, pour remonter en hauteur. Yep. Pour remonter. Et du coup, celui-ci est autre chose que le chemin principal. À moins que non. Mais on dirait que oui. Oh fuck it! On va quand même devoir avoir le truc, juste au cas où. Ma flèche indique clairement que... Pas ici. Donc on va miser là-dessus. Il est quand même proche, ce qui est suspect. Je doute que ce soit la sortie directe, mais... Ma flèche... Indique bien par ici, mais actuellement c'est pas par là quoi. C'était celui-là, le premier. Et comme c'est vers la gauche, nous on va aller à droite récupérer un peu plus de thunes. Ouais, j'ai quoi maintenant? Je dois ramasser un petit pactole. On a 15 000, ce qui a l'air gros. Ne l'est pas, quand les armes coûtent 5 000, 6 000, ouais, on a quand même maintenant 4 gaz de fait. Donc mon argent vient de gonfler directement de 1 quart. Ouais, vas-y. La TPS c'est quand même bien dégueulasse. À part le poison qui peut proc, et bien qui peut proc, c'est pas en garantie. Nos attaques sont vraiment ridicules. Ils ont peut-être un pouvoir, peut-être. Mais pour l'instant, on n'en fait aucun, donc rien à craindre, à l'heure actuelle. Alors là-dedans, il y a un chemin qui n'est pas la suite à un cul-de-sac. Ok. J'aurais voulu quand même qu'il y ait plusieurs spots sur ce jeu, comme pour Grandia 1. Vous pouvez appuyer dessus, et que la carte se met en hauteur par rapport à l'endroit en question, comme une tour de guet. Du coup, vous pouvez voir à l'avance ce qu'il y a dans la zone, ce que vous avez raté, comprenez. Plutôt pratique. Et on sort directement dehors. Je sais qu'il y aura un deuxième niveau ici, mais... Ou je viens de faire des metteurs comme un... Non, on n'a pas fait des metteurs comme un con. J'y ai tué encore. Excellent. Ok, tant qu'à faire, j'ai fait les deux combats qu'il y avait ici. Mag et Rudo, on passait un level chacun. Et pour l'instant, j'ai dit... Ah, gang bang. Comme je disais, avant de me faire interrompre. Je sais pas pourquoi, mais il semblerait que Elena arrête pas de passer en vers la fin. Troisième, quatrième compagnie. Ça devient un peu chiant. Oh, je vois. Ce mec était sur la hauteur ici. Il aurait pu jump sur moi pendant que j'étais en train de prendre ce coffre. Ce qui est sûrement fait pour le faire, mais non. Nous avons quoi? Ice Peak, Arctic Cape et Ice Fang Stone. Ok, trois objets, hein. Kizako, déjà c'est quoi Blueberry? Oh, des points de technique. Oh, ça c'est pour ça par contre. Avant un boss, sans générer s'il n'y a pas un truc. Ok. Quoi d'autre? Je sais pas. Ice Peak. Oh, c'est pour Rowan. Sa DPS glace, ce qui pour la zone est pourri. Mais comme j'ai pu en un coup, c'est pas un gros souci. Il y en a eu.
Celui-ci, résistance au blizzard. D'accord. Et ça, bah, je verrai plus tard. Bon bah, équipe Rowan, de toute façon, ton DPS pue du cul, donc autant effet blizzard. Yep, sans mon effet glace. Enfin bref. Rien ici? Non. Ça se trouve, il n'y a vraiment rien, c'est justement ici uniquement, on fait perdre du temps. Rien là-dedans non plus? Oh! Oh! C'est quoi ça? C'est bizarre. Nous sommes bloqués par ici. J'avais un script quelque part, quelque chose. J'en ai des rêves. Oh, j'ai un souvenir du premier, qui était une zone extrêmement bizarre, mais... Yep, c'est Space. Qu'est-ce qu'il y a ici? On se souvient plus du tout. On est perdu. Ouais, pourquoi il y a un terrain aussi bizarre dans un monde enneigé? En ce moment, tous dormir. Non, le classique champ de fleurs, où tout le monde s'endort pour faire un rêve bizarre. Oh, aucune odeur de vie. En tout cas, c'est une illusion, du coup. C'est sûr. Mais par qui? Enfin, surtout par quoi, parce que... On se barre, de toute façon. Hein? Les esprits! Ça peut pas être bon, c'est ça. Tiens, tiens, qui est-ce? Oh, c'est pas assez effrayant que je pensais. Tu as un carré pour tête, tu dois être important. Oh. C'est... Qu'est-ce qu'il y a la saison ces yeux? Oh, elle est aveugle. Ce qui est... Ok, est-ce que c'est une forme de censure? Avec moi, les gens aveugles ont les yeux blancs. Et pour ce RPG qui est éventuellement enfantin, ils ont mis une couleur particulière qui fait plus aspect, genre manga et RPG. Des yeux violets qui, dans cet univers, j'imagine, caractérisent l'aveuglement. Peut-être. En même temps, je vois que ça, c'est une forme de censure. Tu aimes les fleurs, Ludo? Ah, voilà, non, il n'aime pas, non. Donc, elle va effacer nos souvenirs mauvais pour mettre des bons à la place. C'est pas forcément une bonne idée. Je crois qu'elle a peur de toi. Yep, et il le voit. Si c'est un garçon, je suis pas sûr. Non, pas dire. C'est bizarre, honnêtement. Oh, c'est une fille, ça alors, comment se fait-tu, Rudo, pour ton instinct de mal qui se réveille? Foutons le camp, qu'est-ce qu'on fera ici, de toute façon? J'ai un boss à faire en coin, hein? Non, y'a rien ici. Juste une illusion. La musique est creepy, par contre. Yep, fous les jetons, partons. Y'a trop de fleurs, y'a rien, oh, que dalle. Ok, foutons le camp. Yep, cet endroit est vraiment space. Les trucs qui sont glauques me dérangent pas. Quand c'est vraiment glauque, genre une zone qui est sombre, ténébreuse, ok, c'est flippant parce que c'est... Ça fait pour. Hein? C'est quoi ce bruit? Ok, entre un Yeti quelque part. Ou un Yeti qui s'accouple. Un rêve. Vraiment, je peux y retourner du coup? Où est-ce qu'on est? Ils ont respawn les putes! Ils ont respawn ce qui est bien pour moi, si je voulais XP. Mais... C'est verrouillé maintenant. Et là-bas c'est ouvert, exactement. Si je voulais XP un peu plus à côté, on pouvait le faire, ils ont respawn, profitez-en,
pour moins ces 2-3 mobs qui est ici. Mais sinon, on peut directement aller au Mirumu Village. Mirumu, je sais pas, selon l'accent peut-être. Mais ouais, qui dit village, dit qu'ici, vous pouvez actuellement... Oh, déjà ici, il y a une bonne musique, ce qui est toujours bon à avoir dans une ville. Et en plus, vous avez accès, du coup, à un point de repos, du nouveau stuff et compagnie. Donc, si vous voulez XP, honnêtement, en fait, ce que je vais probablement faire ici, je compte pas le faire beaucoup, beaucoup de fois. Mais en gros, vous allez en ville, vous reposez, c'est gratuit dans ce jeu, donc franchement, faites-le. Allez là où j'étais avant, il y avait les packs de Yeti. Il y a deux groupes de 4 je crois, et un groupe de 2 qui se vous saute dessus. Et vous rebarrez ici, reposez, retournez, ou j'imagine que vous pouvez faire 3 combats sans revenir ici encore. Donc vous le faites, retournez dehors, retournez là-bas, faites ça au moins 3 fois. Donc vous aurez 6 combats contre les Yeti, ils mourront en un coup avec le feu, si votre fille est au moins en deuxième ou en premier. On se prend un peu plus longtemps, mais ça reste quand même jouable. Et après, vous revenez ici, reposez et recommencez. Faites-le pour beaucoup de fois honnêtement, passez un ou deux levels, mais faites-le uniquement pour, on va dire, l'argent, si vous en manque pour acheter ce qu'il y a ici comme stuff, ou pour gagner un peu plus de ressources en termes magiques ou physiques, pour acheter vos compétences et ce genre de choses, mais pas la peine de le faire à échelle mondiale, hein. Je n'ai pas extrêmement dur. Vous savez de quoi? Non. Yep. Et qui? Et qui tu parles? Je vais tous crever. Vraiment. Ok. La maison est bizarre. Donc sur la chaîne. Qu'est-ce qui se passe ici? Des choses bizarres. Un sommeil. Dormir tout le temps, c'est pas non plus un truc qui arrive souvent. Ils ont été mordus ou piqués peut-être? Ou subitement? Malédiction? Le gamin qu'on a vu avant. Le gamin fait oublier des choses. Est-ce qu'on doit... En gros, c'est peut-être gardien des rêves. Peut-être que les gens vont ici et d'un coup dorment et rêvent de choses qui ne soient pas néfastes. Les yeux. Aucune preuve. Oh, je vois, d'accord. Ils ont été demandé à l'église de leur faire un coup de main. Et vu qu'Elena est une prêtresse, ils ont pris pour eux. Devinez qui va leur filer un coup de main. Assurément, ça va être nous. Une chose. C'est toujours. Wow, celui où je dormais, je me réveille jamais, c'est ça? Non, je vois. En fait, quel est le taux de sommeil un par jour? Je ne sais pas. On peut au moins dormir en espérant qu'il y a rien de spécial qui arrive. Quel malheur peut arriver encore ici. Tous vos bouquins peuvent être lus. Hein? Leurs photos sont bizarres, il est de même. À quoi ça sert? De même photo. C'est des jumeaux. C'est pas juste un truc de la con. Nicolas. 5 jours. Sur la gauche, hein. Ouais, forcément. Tu aurais fini la thune pour dormir ici. Nope. Je souffre parce que tu es né. Voilà ma réponse.
Tu peux rien faire pour conjurer le sort. Oh non. Tu peux essayer d'être heureux, mais... Simple à dire. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je doute qu'il y a un trésor. Non, des barils vides. Embloqués par un mur. Ça... Oh, je crois qu'il était... Il était violé comme teint de peau. C'est putain, ce mec est bizarre. Joue aux ténèbres. Il est au courant aussi. Quelle prêtresse dévouée et utile. Oula, à trois de maison. Où je dois aller? Où dois-je déjà ne pas aller? Nous sommes dehors ici. Ok. Il est mort, si j'ouvre plus les yeux. Yep, assurément. Town Hall. Ok. C'est Town Hall. Non. C'est là où on dort. Donc avant de dormir, pour avancer l'histoire, nous, on va explorer avant la ville. Si je peux le faire. Apparemment pas... Irina. Je crois pas, non. Tu mens. Coupe-lui la tête. Bon, ça me fait chier, les gens, ici. Ouais, je peux rien faire, j'ai une simple prêtresse. Ma seule magie, c'est de tuer les gens avec des grenades. Pleure ta vie, misérable. Exactement, tu attends, comme nous on attend de pouvoir être libre de piller ce monde. C'est sûr qu'on peut dire non. Mais comme j'imagine que c'est lui qui dirige Lynn, sans lui, on ne pourra pas dormir. Putain, mais laissez-moi explorer le monde. Je m'en fous de ton gosse. Honnête. On s'amuse beaucoup. Yep, ça doit être lié à ça, parce qu'honnêtement... Le gars, enfin la fille qu'on a vu en bizarroïde, me dit que là-bas il y avait au moins s'amuser, il n'y avait aucun rêve dégueulasse. Donc, ouais, c'est sûrement ça. Je pense pas qu'elle voit ça en mal, en fait, parce qu'elle veut que tout le monde oublie les souvenirs dégueulasses ou les pensées mauvaises pour que tout le monde s'amuse. Mais si tout le monde pion, c'est. Ouais, je veux dire, ils vont quand même mourir, quoi. C'est dingue tout le temps, non? Que penses-tu, Mareg? Ça sent la misère ici. Non. Bon bah, pas de PLF non plus. On peut le finir à l'épée, mais... Je suis d'être content. Yep, parle-moi de ça. On l'a vu tout à l'heure, vite fait. C'était surtout plein de musique bizarre et de fleurs affreuses. Enfin, c'était réel, on n'est pas sûr. Une cicatrice? Vraiment? Moi, j'ai rien vu. What? On dirait qu'il y a quelqu'un en ville qui va se faire de bouc émissaire, je le sens. Oh mon dieu, on se croirait à l'époque médiévale, tout ça. Oh, elle vit derrière le village, c'est une sorcière! Ils vont la brûler, sûrement. Ouais, faut toujours en avoir. C'est vrai que c'est bizarre. Je veux dire, si j'étais dans le jeu, j'aurais forcément réfléchi à ça et me dire que. Oh, ok, la Vogue m'a dit ça et ça arrive bizarrement. Je sais pas, mes gars sont sûrement. Pas assez intelligent, donc on va devoir tout faire à leur place, hein. Réel ou pas, en tout cas. Excellent, Mareg. Bon, nous verrons. Pour l'instant, nous sommes libres. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Les fleurs. Yep, c'est... Trop de coïncidence. Hmm.
Mais il ne se réveille pas comment aussi? Est-ce qu'il tombe d'un coup de sommeil? Ou est-ce qu'il dorme et ne se réveille pas? Que nous, si on dort aussi, c'est pour nous arriver, je reconnais. Hein? On peut pas piquer sa mère pendant qu'il dort. Quel genre de héros sommes-nous? Toi, tu veux dormir ici? Je ne crois pas, non. C'est une pourriture, regarde son regard! Celui qui a pas dormi depuis un bout de temps, on le voit, ça cerne. On n'a qu'une preuve. Objection! C'est l'aveuglement, mec! Tu veux guérir ça comment? C'est pas moi, elle a une cicatrice. Donc, je sais si ça fait couper là, et gueule en tout du genre, va soigner ça, quoi. Toi qui es bizarre, mon vieux. T'as les cheveux roses déjà. Je me régénère et je sauvegarde. Oh, faut manger. Une seconde, je veux. Ah, on se rend manger après, une fois qu'on a été la voir, que l'histoire se soit développée et que nous on ait accès à dormir et manger ici pour nous reposer la nuit. Ok, mais pour l'heure, nous enregistrons. Et bien sûr, allons piller ce qu'on peut. Enfin, quand je dis piller, je veux dire acheter ce qu'on peut. Ce jeu est vraiment généreux envers les marchands. On dort gratuitement. C'est un business, ça. C'est un business. Ils ont de beaux à acheter. Est-ce qu'ils me vendent des charmes pour empêcher de dormir? Ça va chier qu'ils pourraient s'en servir. T'as intérêt à pas faire le con, mon vieux. Nous pouvons acheter quoi? Une épée en forme de poisson. C'est génial. DPS 52. Je sais pas ça combien, voilà. Je gagne quand même 8 points de dégâts. Mon arme est en feu, ce qui rend les cibles nables au feu bonnes, et l'inverse, très pourries. J'ai de l'argent, faisons-le. Ok, celui-ci j'ai trouvé par terre, pas de soucis. Yep, arbalète. J'ai pas mis les liens, c'est un bâtiment mieux que la sienne. Je crois que la sienne utilise des dégâts de feu, je crois, non? Il me semble. Donc en avoir une qui en plus efficace sur tout ce qui est volant peut être une bonne idée. On se le met. De toute façon, j'ai de l'argent. Je vais acheter. Non. Achète-le. Ok, je peux acheter une arme qui n'est pas élémentaire. 4 points de dégâts en plus. Mais non élémentaire, je préfère. J'ai toujours peur de me faire un mec qui est résistant à la glace par exemple et qu'on touche ça absolument à rien. Donc, ouais, ok. Et finalement, une arme pour toi. Yep, 10 points, prends-le. Comme notre beau en armure. Potence 26, résistance au sommeil et confusion. Ouh. Sommeil et confusion. C'est mieux que simplement poison. Poison, je m'en fous pour être franc. Mais sommeil et confusion, deux statuts qui, je l'imagine, sont extrêmement chiants. Et Rowan peut le prendre aussi. Oh, ok. De la plate d'épéiste, 30 de défense, coûte un bras aussi. Tout le monde peut le prendre. Que toi. Niveau 1, résistance terre. 20 de défense. Les crampons, hein. Résistance au blizzard. Mais plus du cul. Ok, bon bah. Je vais tout acheter hors screen, juste pour voir ce qu'il y avait avant. Résistance bizarre. Non, ils ont résistance paralysée, pas sommeil. Sinon j'aurais gueulé, c'était bizarre. Objet rien d'extraordinaire. Nope. Ok, original, qu'est-ce qu'il y a? Oh, forcément il y a ça. Pour être franc, ça a l'air rentable ça. C'est vrai. Et cover, respi. Et cover mana. Ça coûte pas trop cher. Si tu veux seulement en faire, je vais acheter un petit paquet de ceci et de cela pour... Faut que je vérifie si je peux me régénérer hors screen. Certains objets sont uniquement utilisables en combat. Donc ça, je peux le faire hors combat. Mais celui-ci, je sais pas. Donc faut que je vérifie ça. Ta gueule, vérifions ça. Alors. Sinon, je peux le faire n'importe où. Contrairement à par exemple cela, où je peux le faire. Enfin, j'imagine. Ouais. Ouais, sont vos statuts disparaissent généralement certains, comme le sommeil. Donc, si cela n'est pas autorisé, c'est utilisable uniquement en combat. Donc, ok, j'ai rien acheté parce que
Honnêtement, ça me servira de faire un aller-retour pour rien pour en régénérer beaucoup plus rapide. Mais ok, il me reste plus qu'à acheter les armures pour résister au sommeil et à la confusion. Et ce que je vais faire, une zone a l'air relativement costaud et cet objet pourra me servir même plus tard, même si la défense est un peu nulle à chier, je présume. Nous pourrons du coup rester à ça si une zone est vraiment infestée de ça, ce qui je crois une fois possible. Donc, ce qu'on va donc faire maintenant, je vais aller explorer un peu la zone. Town Hall, un mec qui dormait ici. On va aller voir ça. Et quand je devrais dormir ici, waouh, cet endroit est vachement désert, genre rien du tout. C'est toi le mec? Des fleurs, hein. Yeah. Ouais, voilà, c'est dans trop longtemps. Ils vont atrophier les bulbes. Yep, ils vont se dessécher. Ça va être ça. Hein? C'est quoi ce bruit? Malédiction, hein. Ils se sont écroulés. Ils ont dormi debout. D'accord. Ça répond au moins à une de mes questions. Pas que ça change grand chose à l'histoire, vous comprenez, mais bon, j'aime bien quand je pose une question d'avoir une réponse concrète. Je me la porte sur un plateau d'argent. On a quoi ici? Maison à la con. Tu as déjà parlé, toi, dégage. Va me dormir dans ton sommeil. Va rêver de fleurs, de fantaisie et de loli. Et une autre maison à la con. Stelle, la musique me le dit. Non, elle est réelle, ça fait peur. Attends, je voulais voir ailleurs avant. Mais c'est elle, en plus elle nous reconnaît encore, donc c'est encore plus flippant. Ouais, quand ils sont tristes, est-ce que c'est lié à ça? C'est sa mère, c'est le genre de sorcière. Non, parce qu'elle est énervée là, je veux dire. Ça doit être. Je pense que tous les gens croient que c'est elle, et du coup elle est en colère pour cette raison. Même si sur les matchs, on dirait que c'est une sorcière, qu'elle pète un plomb. Juste lié à ça, j'imagine, donc. Ça doit pas être terrible. Quand elle va se calmer, si elle peut se calmer, c'est une femme dure à se calmer, ça. Hein. Ah, ouais, c'est mieux comme ça. Le pire, non, 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 on va quand même pas la tuer. Quoique. Voilà, tout le monde ici est vraiment parano. On a raison de le faire, sûrement. Bon, on a quoi sinon ici? Ah non, une porte solide! Yep. Ouh, un point de sauvegarde! Et une grotte bloquée qu'on aura sûrement accès plus tard, mais pour l'instant, non. Oh, vous pouvez vous reposer ici directement, autant faire ça à Lynn. Enfin, Lynn est plus proche, mais c'est lui de parler avec ce vieux con! Donc, ça peut valoir le coup, d'un côté. Quoi d'autre? Que dalle! Maison numéro 2, 3, peu importe. Et il semblerait que ce soit tout. Ok, bon, allons voir la fifi. En espérant, pendant qu'on y aille, ils mettent pas le feu à la baraque. Ouais, c'est plus de fait ici que dans l'hôtel de ville. Et yeah, je suis au courant de ça. Attention, si tu me dis comme ça, tu vas t'attirer des regards de haine. La médaille, attention, laisse pas, c'est une mage. Comment elle le sait? C'est pas ça, c'est une inconnue. Ton précieux bijou.
What? Elle a retrouvé la vue? Je croyais qu'elle était aveugle. Non? Ou alors c'est pour ça, elle était aveugle, et les gens, mais pourtant elle a retrouvé la vue, croient que c'est une sorcière, un truc du genre. Ouais, plutôt un miracle, hein? Ouais? Bien vu, Ryudo! Oups, bah, bah. Elle a bien fait, au moins, je veux dire. Des invocations. T'as invoqué quoi? Des fleurs? Des Yeti? Je ne crois pas, non? Oh, et au fait, merci de m'avoir filé des assiettes qui sont vides! C'est gentil, j'ai pas cette idée. Non, nous sommes pas experts en exorcisme. Ce qu'on peut faire, c'est tuer des choses qui ont du physique. J'ai raison, tu vois, toujours raison, même quand je dors. Merci, j'imagine. Bon, fusionnons. Bon, diffusionnons. La musique s'est arrêtée. Quelqu'un a tué l'orchestre. Des hommes effrayants. Des villageois ou des... Le chevalier de l'église. Je vois pas grand chose, je vois un villageois. Rien de bien extraordinaire. Ok. Allons voir. Oh, les villageois parlent... Ce qui sont arrivés, c'est ça? Et son groupe. Oh, un groupe. Une cohorte. Une escorte. Ok, allons voir ça. Des gens effrayants. C'est elle la coupable. Effrayant pour elle. The Cathedral Knights. Oh, sacré père de chevalier, effectivement. Well, well, how terrible for you. But never fear, the Cathedral Knights are here. We shall dispel the darkness before your eyes. Oh, your words are most reassuring. Please do what you can. This village is full of darkness. Darkness with terrible powers. What has brought this upon us? I have purified much darkness in my work so far. From my experience, this darkness is the doing of Valmar. Hmm? I am not mistaken. Okay, bon. Oh no. Until further notice, this village shall be under the control of us. Non, mon farm. All entrances shall be sealed. No one may enter or exit the village. What? Understood? Anyone violating my order shall be deemed a minion of darkness and purified in the name of Lord Granis. C'est un peu excessif. Come, my knights of Granis, take up your blades to cut down the darkness. God's light shall shine. I ought to have introduced myself. I am Celine, leader of the Cathedral Knights. I am pleased to meet you. Mm-hmm. Hey, Elena. You know that crazy zealot over there? Yes. She's the High Priestess Celine, leader of the Cathedral Knights. Like la meilleure que toi. Now, High Priestess Celine is known to be an excellent inquisitor of heresy. Mm-hmm. I'm afraid this town might be in for a bit of trouble. Just what are those guys planning to do here? Ils vont se cramer, non? Le feu purifie peut-être. Well, well, are you not a sister of Granis? Quelque sorte. I was not told of a sister in this town. Oh, I'm Elena. A songstress of Granis.
I'm on my way to Granis Cathedral to report to His Holiness Zera. To report to His Holiness Zera? You must be a very accomplished student. I'm sure His Holiness will be pleased. Your mission must be important, as is mine, to purify the world of darkness. Did you do? Let us both work the utmost of our abilities. Yes. Thank you very much. Mes habiletés puent, peux-tu faire mieux qu'elle? Aide-moi. Prends ma compétence pour purifier les démons. Oui, apprends-moi. Je suis pressé. Ça peut passer. Non, tu es pressé, je dis. Je suis Dieu, vénère-moi, meurs. Quelque sorte. Impossible. Oh, parce que tu l'as dit, on doit obéir. Tu n'as pas la puissance sur moi, les chevaliers ne sont rien. Juste une paire d'armure rouillée. Oh, ils sont habiles, ils marchent vite. Ils marchent plus vite que nous. Une bonne paire de Nike qu'ils ont à leurs pieds. On doit parler à ton vieux pape. C'est ton devoir. Tu sais que c'est une affaire d'esprit. Ils peuvent... Ils sont les chefs du village, non? Ils sont pas liés ici. Béni. Ah. Yep, c'est pas faux. Donc ils ont bien brûlé un village jusqu'au sang. C'est pas efficateur. Quelle drôle d'excuse. Ah, ça a l'air plutôt facile à comprendre, ça. On va le tuer. Par contre, se flinguer tout le village avec... Je suis pas convaincu, par contre, ça, hein. J'aimerais, Shbilaï, le chief. Elle peut le faire, parce que tu vends de l'équipement pourri. Voilà. Le cœur pur. Non, tu crois où? En Star Wars? C'est pas dans Star Wars. Nous ne devons pas de bim sabre. Waouh, il y croit, vraiment. J'ai le cœur pur, je ne mourrai pas. Ah ouais, bah bien sûr quoi. Ouais, si je... Bah, je dis, oh, s'ils le suivent tous, on peut passer. Non, mais c'est que non. Mais sinon quand même, je me sens sneaky. Bon, je vais le faire. Ouais. Ensuite ça, si vous voulez fermer, faites-le avant. Je voulais le faire après, parce que je me suis dit, bon, ça on aurait fait ça avant. Un peu d'histoire, ça fait du bien. Et après, on ferme... Enfin, je ferme de mon côté. Et non, dans le cul, alors quand même. Bah, tant pis. Je dois vendre du stuff en plus pour m'acheter mes armures. C'est chiant, mais c'est comme ça. Essayons d'être discret. Pourquoi tu voulais parler? Il est pas bloqué, votre chemin! Regarde ça, quoi. Je vais ici, et il me dit « Hey, bloque mon chemin, quoi. Si tu fous de ma gueule, tu pourrais me sauter par-dessus. Regarde, ton visage est plus grand que la barrière qu'elle a. Où est cette merde ?» Je sais pas. Bon, vendons des trucs importants. Bon, j'ai dû revendre un objet qui valait 2500, là-bas, qui permet de revive une fois quand je meurs. C'est con, mais tant pis. On a fait ici. Non, il veut juste tuer tout le monde.
Tu le savais. Tu es plus un médium, crocheuse, toi, hein. Yep. Ok. Jusqu'à maintenant, faut que nous, on dorme ici, je suppose. Ce truc n'est pas ouvert. Non. Il y a un point de sauvegarde dehors. C'est rare. C'est bizarre. Non, c'est pas là où je vais aller. Ils sont bien si on peut maintenant dormir pour l'histoire en question. C'est-à-dire qu'après, on n'a plus accès à l'île pour enregistrer. Yep, ça doit être ça. Sinon, il est impossible qu'ils aient mis un point de sauvegarde dehors et l'île pour dormir. Ça n'arrive jamais en ville. Donc la ville plus tard ne sera pas accessible. Ou on se fera envahir par les démons, un truc du genre. Bon bah, quoi qu'il en soit, dormons. Bon rêve, tu me mets la gueule. Le garçon de l'humour incroyable. Parlons un peu, sans qu'il y ait aucune musique pour ne sais pas quelle raison. Comprends-tu ma règle? Eh, ça sent bizarre, mais pas dans le sens que tu penses. Ne démarre pas, en ce moment, encore rien fait, Rohan. On a notre chance encore. Ces vélés sont pourris, tu imagines beaucoup, mais pour rien. Non, ça nous pouvons le faire. Nous sommes rien de béni chez nous, mais nos armes tranchent et ça marche. C'est pas faux. Vu qu'elle fait partie aussi du groupe sacré, est-ce qu'ils vont la tuer elle aussi? Que penses-tu? Tu vas crever toi? Ouais, il souffre beaucoup, nous savons. Ok. Ouais, relaté à quoi? La source. Aucune idée sur la source, par contre. Enfin, de vagues idées, mais on peut pas dire encore. Hey, c'est elle. Même si des choses coïncident. L'une n'est pas rouge, c'est déjà ça. Donc elle sera pas possédée, peut-être. Celle-là? Oh, wow, je sais qu'il y avait deux lunes, mais... Je savais que ma mère était rouge. Ça change rien, j'imagine. C'est vrai. Elle est moins vengeresse que les chevaliers que de ton ordre. Oui, peut-être. Ouais, peut-être. Oh, si la l'autre princesse a connaissance de ça, elle va te tuer pour sûr. Ça. Elle sait qu'on doit aller voir le pape, mais elle ne sait pas pourquoi. Faut pas qu'on lui dise. Faut pas qu'on lui sorte ça, ça se craque, elle sort décapitée. Ouais, nous en saurons plus qu'on aura parlé au pape. Espérons que le pape soit pas non plus de mèche avec elle. Enfin, c'est d'un ordre, mais. Peut-être juste différente. Ouais, un peu d'humour peut-être. C'est vrai que... Comparé à Millenia, qu'on peut un peu parler avec elle et rire un peu de tout. Elena est un peu plus à fleur de peau. Enfin, en même temps, je sais pas céder, mais... Elle, la Millenia, en l'occurrence, elle a plutôt être à l'aise. Elle se marre, elle parle tranquillement. Pour ça, je l'aime bien. Ouais, si tu veux, je pourrais te tuer juste maintenant. Je n'ai vraiment envie. Ah bah... Ça laisse faire, c'est pratique. Fais-le!
vraiment un grain, cette fille. Yep, c'est pas faux. Tu peux suivre ton arme avec son sang dégueulasse. Le Burly, ça possédait. Ou va à la cuisine, peu importe. Quelque chose, femme. Attends, elle est bizarre. Ne te reproche rien, Judo. Tu fais ce que tu peux pour essayer d'apaiser un peu son cœur, mais non, laisse tomber. Je vais la faire. Hein? Dans la même chambre? Qu'est-ce que... Hein? Comment ça? Oh! Je commence à croire que j'ai fait de mauvais jeu, moi. Ah, non, c'est ça. C'est rien. Ils sont dans la même chambre. Ils faisaient... Oh! Ça n'a rien à voir. Non, non, non. Je suis pas très tordu. Hein? Nous sommes observés. J'ai trouvé les Rudo! Ce sont des yeux. Je me suis dans un d'immembrables RPG. Qu'inscrute ton âme. J'ai fait attention aux yeux, voir s'il y avait une couleur violette au milieu. C'est un indice pour ça. Mais malheureusement, j'ai vu aucun œil violet. Wow, c'est un sacré œil. Beaux yeux, tu sais. Flashback. Souvenir. Oublier n'est pas si mal, mais plus tu oublies, plus tu vas rentrer dans le jeu de la créature qui tente de nous posséder dans le sommeil. Non ? Ah, juste un cauchemar. Oh les là, Sky, j'ai fait un bouton que j'ai pas vu. Je croyais tellement oublié qu'il existait. Je suis désolé, Sky. On n'oublie jamais, Rulo. Et puis il m'a appris ça, fait avec, c'est ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Même si c'est pas toujours évident. Un peu d'affaire peut-être. Hein? Un œil! Vraiment? Un œil! Hein? Vous aussi? Moi ça va, fait des rêves bizarres mais... Tout le monde fait un rêve bizarre. C'est pas un rêve de fleurs. Tu n'es pas au courant, hein. Rêve les yeux. Yep, eyeball. Yep, il y en a juste tout cramé ici. À part se manier et faire le ménage avant que elle ne le fasse. Est-ce que tout le monde dort encore ici? Où est-ce qu'on est? Oh, on est à Lynn par là-bas. On peut aller par là-bas? Manager! Je suis parti, manager! Non, Derry Ball! Trop tard. Manager! Jour gratuit, j'espère, hein? On doit faire un cauchemar, on dort ici gratuitement chaque jour. Oh, merci, c'est gentil. Suivons-les. Ben, où est-ce qu'il pourrait être, à votre avis? Ça reste la grande grotte qu'on a vue. Où la grande grotte qu'on a vue? C'est forcément là-bas. Bon, ça regarde, juste à côté aussi. C'est beaucoup trop louche. Oh, c'est... C'est elle qui les contrôle ou... Si on essaie de venir ici. Soit l'un, soit l'autre. Il y en a trois, c'est pas beaucoup. Ouais, suivons-les. Parce que vous, vous en battez les couilles, vous, hein. Oh, ils s'en battent les couilles. Ils font bien leur travail. Putain, fainéant. Hein? Pourquoi c'est ouvert ici? Non, c'est ma faute. Ma faute. Ok, ils sont allés voir la fifi. Enfin, c'est elle qui contrôle quelques démons. Verrouillé! C'est louche. Et derrière?
Sois maudit! Peut-être plus tard. Peut-être. Oui, merci, je les ai vus avant. Aussi, Sky, grâce à ma vision. Yep. Nous allons purger ici. Malheureusement, pour brancher mes armures, j'ai dû balancer mes armes élémentaires. Ça fait chier, mais bon, tant pis. Je veux dire, j'ai la magie qui est là pour ça, au pire, donc ça va. C'est quoi ça? Non, une grosse butte qui sort du mur. Pas pour nous. Pas moi, du moins. C'est quoi ça? Oh non, encore ces putains de crabe dodo! Et quoi l'autre? Oh, on dirait un... du troll. Ça... C'est le lanceur de... Yep, c'est le lanceur de trucs, comme dans le premier. Espérons qu'ils sont moins puissants. Non, ils avaient une tendance à me... faire mal. Attention, créature, créature, créature. Il y en a trop, pas trop. Il y en a trois, là. C'est quoi ça? Un orque? Un ogre? Oh, ok. Ok, go pour Beast Fang. Il devrait crever, vous n'avez pas l'air trop costaud. Yep, ça marche. Si on le cancel. Et Fireball devrait finir le travail. Sauf s'il tank. Ça tente quand même le feu. On a eux, ça marchera pas. Ils sont très blessés, mais c'est pas assez. Ok, si on flingue ça, que putain que c'est chiant. Oh, excellent. Je disais quoi, mec? C'était chiant. C'est ça, quand ça marche, c'est super. Poink. Ah, je ferais ça pour toute la journée si je pouvais vraiment le faire. Presque level encore. Ok, petit level pour Lenak. C'est quoi ça? On dirait une grosse palourde. Je vais pas me tomber sur la gueule. Raincoat. Oh, un bruit bizarre ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Space, honnêtement, un truc à tout sur la gueule, je le sens. Bien, c'est quoi ça? Raincoat, accessoire. Il est là. Défense plus 10, résistance sommeil. Ouh, ça pourrait aider dans le coin. Mais généralement, j'avais tout tué avant. Ça devrait le faire. Ok? Plus d'armes. Yep, il y a plein de bruit dans le coin. Et c'est pas à côté. Dans une autre partie du niveau, peut-être? Peut-être. Mais pour l'heure. Pour tout un de ces ogres. Il y a deux. Deux ogres. Yep, prioritaire. Mais Burn Flame, directement, on devrait pas les tuer. Rise, old flame. Au pire, ça marche pas. Zap sera efficace dessus. Yep, je veux dire, ça fonctionne comme ça, mais pas tout le temps. Double bombe. Heureusement, leurs auto-attaques ne sont pas terribles. Ils mettent un temps avant de se lancer. Tiens, c'est quoi, c'est un raptor? Oh, c'est un de ces dodos. Qui ne font pas dodo. Oh. Rien dessus. Wing Boots. Ça va booster mon action, hein. Ce serait énorme. Mais c'est des bots, on en a très peu de bots. 15 mouvements, 5 défenses. Restance terre, niveau 2. Oh, c'est un bon boost. Qui veut ça éventuellement? 74, pas besoin, 89. Mouvement ne s'avérera pas grand chose honnêtement. Mais... pourquoi pas. Vas-y, vas-y. Ok, là, c'est des gros oiseaux bizarres qui peuvent faire dodo. C'est quoi ça déjà? Zone rouge du feu. Hammerhead. Ok, attaque et attaque. Non, pour l'instant, aucun skill. J'ai pas trop à me méfier de quelque chose. Yep, essaye. Je doute que Flying TNCNK peut les flinguer. Mais dans le doute, on va essayer.
Au pire, il est cancel. Yep, pas loin, pas loin. Et il attaque Elena qui est en train de bouger, ce qui pour moi est plutôt bon. On va sûrement rater. Yep, il a raté. Ça me va, ça me va. Parfait. Ok, on le delay. On tape dessus. Oh, il est pas ralenti quand on tape dessus. Surprenant. Yep, pas trop dur. Je sais plus si ils ont un pouvoir comme Zap. Je me souviens plus du tout. Il semblerait que les orques aient voulu me balancer, enfin les ogres, balancer un truc sur la gueule. Un truc avec des pics, Vine, je ne sais pas, un pouvoir de... Oh, je t'ai vu, toi. Yep. Sans qu'on va ici, on fait gaffe. Oh, il est là, ce con. C'est bon, plus de gangbang. Oh putain, où est-ce que je vais, moi? Je crois que j'ai fait le tour de la zone, mais pas du bon côté. Moi, je me dirige là où je dois aller, j'ai l'impression. Selon ma boussole, dis-moi. Je suis arrivé par là-bas. Moi, j'étais voir au niveau du ça ici. Yep. Et je suis arrivé de par là. Ici, il y avait ça. On va flinguer ce connard qui est ici et prendre ce trésor derrière. Éventuellement, un joyau, un bijou. Ok. Ralentissons un petit peu et balançons Zap. Tu balances quoi? Giga Spread. Giga Spread. Non, je me souviens plus du tout. Ils sont quand même plus rapides que lui, ce qui est bon. Et au cas où s'il crève pas, si comme par hasard il sera resté dans la foudre, ce qui est possible, ceci devrait faire gagner un petit peu de temps. Je peux éventuellement cancel avec Rohan, même si Rohan est très lent pour cancel. C'est chiant, mais on va essayer. S'il meurt, tant mieux, s'il meurt pas. Et... la foudre ne marche pas. Ouh, ok, parfait. L'autre est paralysé, donc pas de soucis. Boink. Oh bah c'est gentil, il dorme juste sur ma gueule. Ouais, je me souviens plus. Je sais que quasiment chaque créature a accès à un ou deux pouvoirs, mais je me souviens absolument pas de quel que c'est. Donc, il y aura beaucoup de choses que je vous verrai après dans le jeu. Les créatures meurent trop vite. Bref, vous avez eu une harpe d'os. Si j'étais pas un fervent défendeur de ténèbres et de squelettes, je sais que cet objet peut invoquer des forces occultes. Mais en l'occurrence, je présume que, d'ailleurs on va vérifier, que cet objet peut invoquer le sommeil, je suppose. Où est-il? Oh, il est pas là? Ah, c'est objet d'attaque. Oui, forcément. Non, moins de défense sur les cibles. D'accord. Je ne sais pas, c'est squelettique, du coup c'est peut-être poussez vos os et vous rend plus venir vos dégâts. Peut-être. Ok, le feu est pas trop dégueulasse dessus. J'ai un fusil du 500 points de dégâts avec. Oh, c'est marrant ça, c'est un de ces fameux... ces fameuses carapaces de je ne sais pas trop quoi. Banana Marmite? Je sais plus. Du coup, ouais, j'essaie de cancel avec Mareg. Malheureusement, le cancel est super lent sur lui, donc j'ai foiré. Mais le feu implique quand même environ 600 points de dégâts. Ce qui est vraiment, vraiment pas dégueulasse. Oh, rien ici. Ok. Ouh, point de sauvegarde. Vraiment. Bon, je peux quand même pas fermer ici. Mais je peux au moins faire. C'est enregistré là. Ok. Donc au pire, avant, comme je l'ai dit dans ce jeu, si vous voyez des mobs ou un pack de mobs, vous faites pas acheter nettement. Comment dire. Utilisez tous vos pouvoirs et tous vos skills, comme vous pouvez le faire, que vous allez prendre sa merde relativement souvent. Donc, ouais, ça peut gagner un temps monstrueux. J'ai pas vu un truc bleu là qui était ici? Non, ça doit être le sol. Oh, c'est encore un saut d'Olmar ça. Donc, le truc qui est ici, c'est l'œil. Et il y a une fleur qui est là, je ne sais pas qu'elle a raison. Cette fleur en particulier ou pas? C'est celle du rêve, ça? Eyeball! Yep, ceci est actuellement un boss. Une chose qui est chiante, ces créatures infligent du bruit dans vos oreilles tout le temps. Le bzzz va être constamment ici. Vous n'avez pas les bzzz?
n'allez pas là. Bref, ces créatures sont très rapides, très puissantes, très très chiantes, et aussi, ils ont beaucoup, mais beaucoup de points de vie. Donc nous, on va essayer de les... Ouh, celui-ci drop. De les flinguer assez vite, et on va essayer d'en focus au moins un. Ok, espérons qu'ils aiment le feu. Yep, je fais le feu. Ok, comme vous avez vu, ils ont une attaque qui tourbillole et sa DPS vos cibles en... Enfin, vous voyez comment ça TPS quoi. Ok, tu me lances un pouvoir et je ne sais pas ce que c'est. C'est chiant, je dois cancel ça malheureusement. Ouais, ça t'a pris de l'œil. Pas très puissant, on aura plutôt mono cible. Je crois que ces mecs ont un coup spécial, mais qui est possible de faire uniquement si ils sont au moins 3. Mais là encore, j'ai un doute. Bon, ça aurait été mieux d'en focus un seul, mais je voulais cancel ce mec, donc... Ok, attaque, 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 et pour l'instant, stand-by. Bon, c'est bon, zap alors. Ils sont pas trop collés. Ici, il y en a deux qui sont collés. C'est peut-être possible, est-ce bien, peut-être, d'empêcher dessus un statut. J'en doute, pour être franc, c'est considéré comme un boss, mais on va essayer. Ok, ils sont flingués celui-ci. On devrait l'avoir. J'en ai trois là, je crois. J'en ai trois. Je me souviens pas, ces créatures sont extrêmement chiantes. Ils ont un coup qui peut vous faire cancel votre attaque en cours. Donc si un de vos skills est trop long à se lancer, non, statut immunisé je présume, ou résistant. Ok, il lance un pouvoir, c'est certainement Delta quelque chose, Delta Burst. Yep, je m'en souviens, mais il va crever, donc ça va être parfait. Celui-ci, 1400. Go! Tu vas prendre cher, mon gars. J'imagine que c'est overkill, mais dans le doute, vous savez, quand on n'est pas sûr. Ouh! Parfait! Oh, si mon Marag le focus celui-ci. Je crois que oui, je crois qu'il va mourir. DPS qui? Rowan? Je suis pas sûr. Ok, de toute manière. Yep, celui-ci qui voulait. J'étais pas certain. Mais pas grave. Ouh, un nouveau livre. Celui-ci va être cancel, il me semble. Celui qui est au cac. C'est pas celui qui est au cac. Mais une chance sur deux. Je dis après, vous pouvez pas la gérer. Action et action, hein. 1200, il va crever. Je n'ai pas accès à ça. C'est une magie pour délai un peu. La défense lose. Non, marchera pas. T'as que dalle, mon vieux. Il est temps que je booste ça, moi. Yep. Eh oui, cette bestiole peut voler, mais elle peut voler encore plus si je la fais voler. C'est un RPG, cherchez pas à comprendre. Tant que ça marche, c'est bon. Ouais, très rapide. DPS qui Rowan. Ok. Ta gueule, Rowan. Bon, quand même cher. Là, je rigole, mais il est dans le jaune. Hop. Oh. Pas de deuxième coup. Fou, ça l'a pris de combat. C'est dur. Nouveau bouquin. Livre du guerrier qui, j'imagine, m'apprend le skill. Correctement au guerrier. Donc éventuellement DPS, plein de choses utiles, ça cool. Je suis pas sûr si je peux équiper deux pouvoirs qui donnent les mêmes stats. Par exemple, sur mon premier livre, d'aventurier, j'ai accès à un...
un power-up qui me booste ma force. Donc je peux équiper ce power-up de force avec un autre bouquin qui m'offre aussi boost de force qui va être différent. Ce power-up d'aventurier booste entre 10 et 50, l'autre pour un boost entre 50 et 60 peut-être. Ou entre 20 et 100, hein, sans doubler, peut-être. Je sais pas, si c'est la même chose, je serai. Parce qu'on va devoir avoir ça à l'avance. Ok, mission accomplie du coup. Est-ce que tout le monde va bien? Dites-moi mon retour ici. Ok. Yep, c'était un saut. Évidemment qu'il en fait partie. J'en ai mis. Apparemment. Cauchemar encore, hein. Ok. On a d'autres encore. Plus d'un œil. Ouais. Encore. Waouh, c'est... On a la chance. Sautement. Oh, elle. Pas certain. Du coup, c'est parce que elle, ça a un sens tout ça. Et les cauchemars, c'est parce que elle veut, c'est ce que Valmar veut. Investigation. Ouh. Yep, elle va sûrement. Est-ce que nous sommes régénérés, nous? Nous sommes soignés, ce jeu généreux. Ok, voyons voir ce que ce bouquin peut faire. Alors, bouquin des guerriers. Tu m'offres quoi? Point de vie, défense, agilité, qui est je crois bon. Chance d'esquiver, hein, peut servir. Réduction. Ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, je comprends, je vais pas non plus trop demeurer. Est-ce que ça veut dire que quand j'utilise un skill, au lieu qu'il me remette tout à la fin, il me remet un peu plus avant? Sans avoir un tour plus souvent. Ou alors quand je prends un coup dans la gueule, ça réduit ma progression en arrière. Dans les deux cas, c'est bon. Mais... défensif. C'est quoi ça? Aucune idée, hein. Ah, je sais pas c'est quoi. Et ça non plus d'ailleurs. Ok, suffisant pour l'instant. C'est quoi ça? Feu, explosion. Terre, explosion. Ah, oh, j'ai pas assez à ça, c'est chiant. Ok, ça c'est chance droppée du coup. Ouais, mais je sais pas comment ça marche par contre. Ah. Ouais. Donc pas de force ici, malheureusement. Mais agilité, nous sonne très bon mes oreilles. Celui-ci aussi. Et chance d'esquive, pour toujours me sauver la vie. Manière. Ok, qu'équiper ça. Tu vas prendre le drop, pas comment ça marche, mais nous verrons. Agilité, ça booste le speed. Toi, tu es super lent, je crois. 87. Yeah, tu es super lent. Je m'en fous. Voilà, ça sera moins lent dans la barre. Résistance. Prends les deux. On peut prendre les deux. Ok. Mais prends les PV. T'es un peu en manque et tu prends en cher, donc tant qu'à faire, hein. Copper Wayne. Si tu veux passer niveau 20 à 22, t'as accès à un point en plus. On a quoi? Défense. Yeah, le reste est trop bien pour elle. Vas-y, tank, mon gars. Réduction en IP. Oh, lui c'est speed. Lui c'est agilité. Bah, peu importe, c'est pareil. Enfin, agilité mieux que speed. Mais bon. Ok, j'ai vendu. J'ai accès à un pouvoir à prendre quelconque. Enfin, quelconque, je veux dire, intéressant. Hop, let's go pour Beast Fang Cut. J'améliorerai Golden Hammer plus tard encore. Seulement celui-ci aussi. Après,
ça passe sur Ryudo, booster un petit peu cela, parce que Ryudo va être mon main qui va trancher des gueules. Et 9, peut-on apprendre de plus sur toi? On va voir. All slash. Pas terrible. Mais bon, que voulez-vous, j'ai que ça à faire. Ok, bon, j'ai appris moi que c'est une chose que je pouvais. J'ai pas appris de nouvelles choses importantes à vous dire, sinon je vous aurais montré, genre j'ai débloqué Apocalypse. Non, j'ai pas... Non, t'es fou là, toi. Ah oui, le Town Hall. Ouais. Et le destin, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire pour ça. Ok, allons-y. On va voir sur ce meeting, nous apprendre spécial dessus. Chose que, espérons-le, nous n'ignorons pas. Parce que... Plus de monde, mais c'est tout. Où est Céline? Ah, ben voilà. Après moi, forcément. Attends un peu. Bien sûr que ça le sait, ils ont même voulu me buter. Justement, on trouve le serviteur. Oh, autant que j'y pense, ils ont tourné autour de la baraque. C'est un signe. On va aller voir là-bas. Ouais, elle est folle. Elle est comme l'autre, mais en plus folle. Ouais, elles seront sauvées dans leur mort du futur. Tu peux pas imaginer, elle a pas de cerveau. Tu vois, elle est dessus. Enfin, non, tu peux pas. Dis pas oui. Je me demande ce qui se passe si on arrive à trouver le coupable avant elle. Ça va quand même vouloir brûler le village, même si on a réussi à le sauver entre guillemets, en flinguant le suppôt de Valmar. La fissure, encore. C'est vrai qu'il y avait cette zone bizarre où on avait accès à des bruits. Des créatures qu'on n'avait pas encore vu avant. Peut-être là-bas. Ok. En fait, c'est ouvert maintenant. Je suis d'un côté. On y passe alors, c'est jamais. Non. Yep, c'est exact. Ok, donc elle disparaît aussi. C'est un signe. C'est pas parano, hein, comme Elena, mais... Non. Bon, bah... Allons voir le... trou qu'on avait vu avant. What? Où tu sors? Oh, je vois, il parle de la cicatrice qui est genre ici, là-bas au niveau de son front, pas au niveau de son œil, sur sa gauche. Enfin, du coup, sa droite, mais nous, à gauche. Là-bas, on peut y aller encore, moi, ça pue. Une zone drôle. Derrière. Yep, c'est bizarre. Ouais, allons-y du coup, parce que... Faut pas y aller... maintenant on peut. Ok, bah... Mirimushad. Ouais. Tant que ça met pas, vous entrez dans un lieu genre... Forbidden Garden, ou je sais pas.
Oh, t'es bizarre au sol, là. Y'a pas un trou chez toi? Ben, allons-lui. Ouais, incroyable, hein. Ouais, y'a bien un trou ici. T'es pas aveugle. Wow, on est de retour ici. C'est pratique quoi, de me faire chier à passer par l'autre chemin, à faire tout le tour. Ah, bien sûr que non. On doit être apprécié pour sa juste valeur, mais comme tous les gens plus du cul, généralement, tout le monde n'apprécie pas. Ce qui est logique, mais eux veulent être appréciés. C'est comme un con qui a tort, mais qui fait croire qu'il a raison, vous savez. Vous avez voulu prouver qu'il a tort, vous direz que non, c'est vous qui avez tort. Parce qu'il est un con. Mais il va quand même être apprécié pour ce qu'ils sont. C'est bizarre comme contexte, hein. Come on. Non, je n'ai pas envie, merci. Ce monde réaliste et pourri me suffit largement. N'ose pas faire ça. Hop, on est toujours cet endroit. Peut-être des fois, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe vraiment en monde. Ouais, c'est comme ça que marchent les gens. Pour leurs propres erreurs, ils ne se blâment pas. C'est forcément à cause de quelqu'un d'autre. Tout le monde est parfait, c'est bien connu. Ma faute? Non, c'est forcément toi. Je veux dire, je suis tellement supérieur. Bah, l'humanité est triste. Hein? Des fées? Oh, les trucs qui volaient, l'espèce de particules. C'est des fées ou c'est leurs âmes? Non, les gens vont mourir. Ton but est peut-être entre guillemets. Tu as un bouton qui vient d'apparaître. Il doit m'en avoir 12 ans pour avoir ça. Au moins 12. Yep, cette taille est bizarre. C'est pas Granat qui t'a filé, c'est putain de l'autre. Tu peux tout voir, j'ai vu ça, mais. T'es sûr? J'ai l'impression qu'à force ta mère va croire que t'es vraiment coupable. Hein? Non, je te dis, c'est pas celui-ci. Arrache-le! Donne-lui une gifle. Oh non, j'ai cru. Elle veut pas, t'aime pas, comme nous. Oh, je crois qu'ils ont été. Je crois que les villageois ont été vers sa maison pour lui péter la gueule. Comme ils croient que c'est une sorcière, ils vont se prendre à elle. Ça doit être ça. Comment on se barre d'ici, nous? C'est quoi ce rêve de merde? Je dois suivre la flèche. Incroyable, nous sommes dehors. Eh, hey, vous pouvez farmer ici, je vous l'ai dit. Non, barrons-nous. Waouh, pareil d'un raccourci, c'est chiant. Non mais actuellement oui, vous pouvez farmer si vous voulez là. Enfin pas farmer mais au moins faire 3 ou 4 combats. J'ai pas envie. Je pense à tout à l'heure. Si je peux, si j'ai accès, si j'ai pas, tant pis pour toujours. Hein? Comment ils ont connaissance de ça? Yep, tu as peur, tu as raison, ils vont sûrement te tuer juste au cas où. Ça me gratte l'œil aussi, c'est un signe. N'est pas là, partie invoquer des forces maléfiques. Hmm.
Est-ce qu'elle va essayer de dire aux villageois de la tuer à la place de elle? Remarquez. Je sais pas, elle va quand même flinguer tout le village grâce à ça. Ou si les villageois essaient de la flinguer pour se sauver leur vie. Si elle leur dit qu'ils ne peuvent pas la tuer, c'est pas qu'ils avec le mal. Après ils vont dire, ah, si on la tue pas, nous on est le mal, et si on est le mal, l'autre va nous tuer aussi. Uppercut. Attention, tu viens avec ton œil, tu vas te faire vite repérer. Hop, on l'a vu. Elle est maligne. J'ai découvert avant toi. Je veux le butin. Ouais, nous sommes blessés. Oh, je vais enregistrer. Oh non, notre con, il dort, c'est vrai. Et bien sûr, sans le mec pour nous permettre de gratuitement, nous ne pouvons pas dormir. Parti. Elle est morte. D'une perte dans la gueule. Où est-elle? Nous sommes que deux, pour nous le faire à deux. Je n'aime pas les prêtresses. Alors, une de plus, ce sera rien. Elle est confuse. Actuellement, c'est le cas. Je pense faire un truc qui est louable, mais c'est pas le cas. Ne lui obéis pas. Ouais, si on lui arrache l'œil, ça devrait le faire. Bon, après on a essayé aussi de le faire avec l'autre gros porc, mais ça n'a pas marché. Lui arracher la rate, ça n'a pas sonné, non. Ne l'écoute pas. T'as raison, Yolo. Je mens, toutes les femmes. Ouais, gratuitement. Eh ben. Bien joué, mon père. Yep, cet œil n'est pas. Malédiction. Yep, tu es un. Un monstre. Elle l'a pas dit, mais elle le pense, c'est quand même un peu le voir à travers les gens. Ouais, mais c'est l'œil qui fait de toi un monstre. Pas. Tu vois, même. Ouais. Non, mais t'aurais été honnête, il y a un peu autant de soucis que ça. Peut-être. Moins, du moins. Avec ça, il sort de la gueule. Tu es effectivement un monstre. Quelle puissance! Je vais terrasser une feuille, prêtresse. Téléportation s'appelle, Sélène. Ces soldats ont l'air badass. J'en veux au moins un dans ma team. Ma tête? Tu crois à ma tête? Vraiment? Tu plaisantes, j'espère. Que venez pour moi, c'est dur, je leur faut que je me laisse branler, ils vont comprendre. Que je m'en tape de ta vie, tu sais. Je ne crains pas ton dieu. Oh oh, je crois que. Yep. Bon bah, je crois que ça marche. Maintenant, ça marche uniquement quand elle dort ou qu'elle est. Évanoui. Bon, j'imagine que quand elle est tombée du dirigeable, Milne se transformait mid-air et pour atterrir en beauté. Je suppose. Donc, ouais. C'est ta faute, vraiment? Ok, c'est ta faute. Hé, Milania, j'ai ma nouvelle. Pour toi, j'ai apporté une arbalète. Oh,
un pouvoir qui pue, pour être honnête. Que veux-tu faire? Ce n'est que sa mère. Non, c'est juste une coïncidence, je présume. Je suppose que oui, Rowan. Non, l'anus? Non, l'onus. Comprenez pas. Oh, vraiment? C'est pas un truc genre... essayer de la sauver plutôt ou... extraire l'esprit sans la vaincre? Je sais pas. Mais là, un peu expéditif. Ouais. Sans espoir. On n'a pas encore essayé. Sinon, au moins essayé avant. Yep, c'est pas faux. Bien dire que le. Ouais, voilà quoi. Elle peut le faire, non? Oh, bah ça a l'air simple alors. D'accord. Bah, va crever aussi du coup, c'est ça que tu veux dire? Ouais, plaisante, je sais pas. C'est dur à dire. Bah, on verra quand on y sera. Move on, a l'air intéressant. Je dirais que plus que Renaud veut le faire pour la fille, pas pour la mère. Yep, c'est un rêve. Ouh, attention, tu as fait peur. Elle, un démon supérieur. Ouais, comme elle est trop gentille. On subit toujours le prix de nos actes, même s'ils sont bons. Parce que dans ce monde, il n'y a aucune justice. Aucune. C'est pour ça que moi, j'ai fait ma justice. Et fuck, ça empire sa justice d'un autre. Encore les eyeballs! Qu'est-ce qui a commencé encore? Oh, quand elle souffre, ça arrive. C'est ça? Et en même temps, faut le faire. Ah, bon, puisque Milinette est avec nous, comme d'habitude, récupérons son stuff. Parce que c'est chiant quand même, elle aurait quand même pu faire un truc différent. Intelligence et Zapfire. Et ensuite, pour qu'on équipe. C'est mieux. C'était bien attaque de feu. Toujours aussi bon, toujours aussi médiocre. D'ailleurs, j'ai pas accès à la mère que j'avais acheté pour elle, qui faisait résistance, poison, confusion. Qui faisait sommeil, confusion. Bah, tant pis. Donc, ok, je retiens que tout ce qui est accessoire tête et armure, l'autre personnage, l'autre, le garde. Toujours. Ce qui change, c'est les chaussures. Quoique non. Ce que j'avais avant, celle-là. Ok, donc ce qui bouge, c'est accessoire, mana egg. Et... où est mon autre truc, moi? Jade. Ah, il a. Armure, headgear, et Godass. Je crois. Bah, de toute façon. Ok, avant d'aller, je ne sais pas trop où. Oh, certainement dans sa baraque à elle. On va enregistrer avant. On va une sauvegarde en direct. Et pour prouver que je ne vais pas farmer hors-screen, j'enregistre sur celle-ci. Du coup, avant d'être bloqué. Voilà, comme ça, il faudra quand même pas de farm en screen. Tu l'as dans le cul. Enfin, si j'ai accès après, j'en ferai un peu, quand même. Mais, ouais, voilà. Vraiment, c'est-à-dire qu'on est foutu maintenant. Faut faire tout le chemin à pied.
C'est pas si long que ça. Si les mobs ont respawn, ce qui est dans le cas, je ne vais pas les retuer, que c'est pas rentable et c'est chiant. Alors si je peux après farmer avec les Yeti, c'est beaucoup plus rapide, donc d'un côté plus rentable. C'était par la gauche, je crois. Hein. Yeah, ça respawn, fuck it. Non, pas gauche, pas gauche. Ok, on est de retour à la fin du niveau. J'ai quand même tout flingué en route. Pourquoi? De part parce que, de 1, j'ai oublié que j'avais mis Lien dans mon groupe. Du coup, j'ai voulu vous booster un peu. C'est la jauge invisible de Berserk. C'est là que c'est un tour en plus pour le boss qui va arriver à votre avis. Ouais, c'est bon pour moi. Ce que j'avais également oublié, c'est qu'elle avait accès à un nouveau pouvoir. Yep, Starving Tang. Comme on l'a vu avant, elle a absorbé l'âme de Valmar. Et l'âme, c'était la langue. Donc maintenant, son pouvoir, elle peut le faire. Ce pouvoir est plus utile que Fallen Wings. Fallen Wings, je crois, peut repousser dans la barre si Nex se prend contre la gueule. Mais Starving Tang absorbe les points de vie aux cibles, s'attaque tout le monde. Et en plus, c'est plus puissant, plus utile, ça reste mieux. Donc pourquoi ce skill? Je vais pas booster. Parce que celui-ci est mieux, de toute manière. Donc ouais, celui-ci, vraiment, vraiment utile. Ça coûte quelques points pour level up, mais ça vaut largement plus le coup. Et en plus, l'animation est cool, qu'on l'a pas encore vue. Hein, on la verra. Si ça se trouve, si elle passe Berserk, elle pourra éventuellement ce skill gratuitement et me rejeter à mes points. Donc, ce serait énorme. Mais comme elle a pas pris beaucoup dans la gueule, sa jauge de Berserk n'est pas très énorme. Mais comme le combat va être très long et dur, parce que celui-ci, pour être franc, est un des combats les plus durs du jeu. Honnêtement, au début, ça reste un truc très très dur. Donc, on va voir si on y arrive sans avoir level up au préalable. Forcément, en ayant flingué quelques créatures. Avant, j'ai passé un level en gros sur tout le monde. Donc au niveau 24 environ. C'est pas là où on doit aller? Si, c'est là qu'on doit aller. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je suis arrivé d'ici. What the? Où dois-je aller? Trouver là. Oh! Vous savez où je devrais aller à la place? Je devrais aller à l'endroit avec le jardin, dans la neige. Je vais dans la neige et je vais à l'endroit que le jardin avant. Ça devrait marcher. C'est pas là que je dois aller, moi. Ce n'est pas là, c'est dehors. Oh merde, j'ai perdu du temps pour rien. Je suis déçu. Bah ouais, au final c'est assez évident quand on y pense. C'est juste que je croyais que... comment dire... les soldats étaient encore devant la porte. Du coup je pouvais pas aller dehors. Mais... ouais... non... ça aurait pu être le cas aussi, mais... sur coup j'y pensais plus. Ça faisait longtemps que j'ai joué à ce jeu, donc je me souviens pas. Y'a pas non plus ici. Mais au moins, on a une cinématique, donc au moins on voit un peu... oh, elle est là. Attention, elle a peur de toi. Elle a peur que tu la bouffes. Ouais, on regarde tout ce qui est de plus amical. Tout c'est un donjon. Mystérieuse fissure. S'il me re-téléporte. Oh my god, ce jeu est vraiment des enculés quand même. J'étais là juste avant. Oh, maintenant ça c'est ouvert. Imagine que oui. Mais ça m'aurait enregistré là-bas du coup. Eh oui, c'est sûr que je voyage beaucoup dans ce jeu. Allons-y, n'aie peur de rien. Même ce boss est très très dur. Je sais plus quel level j'affrontais avant. Niveau 30 peut-être? Niveau 28? J'en sais rien. Le level monte vite, que vous enchaînez les mobs relativement facilement. Une AE, boum, suivant. AE, suivant. AE, suivant. Derrière, on commence. Et voilà. Mais... yeah. Ok, donc on y va, et c'est tout. Donc, c'est rare, mais ils vous demandent si vous voulez vraiment y aller, ou pas. Pour une raison simple, c'est que c'est dur. Donc ouais, on va voir, je sais que c'était compliqué, et j'ai oublié plusieurs fois. Je me souviens de quelques bricoles que je vous parlerai à faire à mesure que l'on sera dans le fight. Si j'y arrive, genre, sans galérer, tant mieux. Mais, honnêtement, j'en doute. Oh, c'est un vrai niveau. Tellement zappé, moi. Oh, ces créatures. Il y avait les mêmes dans... bon, je peux expliquer un peu ici.
Ok. Ces créatures sont aussi dans Grandia 1. Elles se téléportent, ce qui est chiant. Mais elles ont un pattern prédéfini, je crois. Donc, ils vont sûrement revenir par ici. Peut-être. Ouais, voilà. Ces soucoupes volantes sont souvent, et je dis toujours, très nombreuses. C'est des créatures qui volent. On voit leur tronche d'aigle. Donc, l'arme que j'ai filée à Millenia ici sera actuellement plutôt utile. Vu qu'on la perd en troisième, c'est actuellement très chiant pour tous les flinguer. Donc, ils ont quoi Power Press. Power Press. Et ouais, donc je crois que ce skill vous fait tomber par terre et vous cancel. Mais je peux me gourer. Du coup, avec elle, théoriquement, si, ça va faire mal. C'est un tueur d'oiseaux. Donc, c'est bien. Ok, ça tue bien ou ça tue pas bien? Ça tue... presque bien. Presque, on n'est pas loin. Ah, pour ce contre gratuit. Ah. Oh. Ah, ça tue pas assez. C'est con. Star Mirage. Ouais, un peu. Poink. Punissons ceux qui sont déjà blessés. Tu attaques et tu attaques. Et comme tu es avant, tu as cancel. Parfait. Nous ne tuerons pas. Voyons le DPS. J'ai mis combien? C'est pas terrible. Non, mais ça suffit. Merde. Oh, ils sont très très rapides pour DPS. Donc on va se faire contrer assez souvent. Que ce soit dramatique et très 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 chiant, mais des dégâts en plus pour vous, c'est pas toujours bon. Qu'est-ce que c'est? Eye drop. Oh, cela peut me faire du confusion. Aveuglement. Je sais pas, mais je prends ça. Silver Feather. Ok, ce accessoire boost le même que... Non, c'est pas ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça alors. Silver Feather. Il est pas là. Oh, d'accord. Celui-ci, on l'utilise et ça booste l'IP d'un méga. Donc c'est un méga, par exemple, lancer une double AE. Une fois qu'il a servi, un de vos gars utilise l'objet sur l'autre gars et votre gars va booster d'un coup par sa progression. Mais vu que c'est inconsommable, ça disparaîtra après. Malheureusement. Ok, où sont... l'autre Star Trek, j'ai vu tout à l'heure. Il y a un deuxième. Donc, à part ici. Oh, c'est le même, depuis le début. C'est d'abord toi. Je spawn là, bah tiens. Tant qu'à faire, hein, on va pas être con. Non, nope, un autre. Ok, je crois qu'il y avait un deuxième qui était dans le coin. Pour ça, je vais le flinguer, pour le prendre dans le cul. Il y a une ombre ici. Oui, ma gueule. Je savais. Je savais, ils me prennent pour un abruti, mais non! Ouh, mais il y a deuxième! Oh, il y en a qui drop! Celui-ci peut dropper. Oh, cool! Le premier est là, ce qui est pratique pour moi. Ok. Alors, oui, je pourrais, mais non. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle ait accès à 110 points. Avec 110 points, elle peut en faire 2. Et en faire 2, c'est beaucoup plus que 1. Je vais... honnêtement, celui-ci, mon skill est rapide. Et ici, je flingue tout. Yep! Ça, c'est un bon coup, ça. Quand ça marche, c'est génial. Ouais, mais pour avoir 10 points en plus, faut qu'elle passe 10 levels. On va gagner 1 point par level. Pas terrible, mais c'est comme ça. L'ombre a disparu. Ok, patientons. Il est réapparu à l'est, je crois. Cet endroit est emmerdant. Ok, alors, ouais. Le reste. Je n'entends plus aucun bruit. Ma boussole m'indique par là-bas. Ok, nos résurrections. Non, d'où je suis? Que je suis sur des nuages? La fumée? Ça va être un rêve, sur des nuages. Je veux des nuages qui étaient plus accueillants que ceci. Des bruits bizarres dans ce jeu.
Non, par là-bas. C'est vrai qu'il semble là qu'il n'y a rien d'autre. Il y a plein de bruit. Je sais pas si vous pouvez entendre. Le son assez fort, mais... Une paire de bottes. Et un cul-de-sac. Je vais prendre ça. Et Gangbang qui va avec. Hein? Que dalle? Vraiment? Pas de piège, hein? Quoi qu'il en soit, nous avons eu des bottes rouges, qui j'imagine sont pour elle. On va dire... Red Shoes, 10 mouvements ou 5 actions. Quoi d'autre? Résistance feu? Non, moins de défense, mais je m'en fous. Pour 5 actions? Oui. L'action, je rappelle, c'est pas votre vitesse de déplacement, c'est l'action que votre personnage agit dans la barre. Donc plus elle est d'action, plus elle sera rapide à avancer. Donc, c'est cool. J'entends encore des aliens. Et voilà. Pour être franc, j'aimerais qu'il n'y ait pas... Qu'il n'y ait pas trop de combats après. Ma raison est simple. Je prends ça. Pique ma richesse. Même dans un rêve, l'argent est réel. La raison est simple, j'ai pas envie que ma Millenia devienne berserk pour un combat random, alors qu'elle pourrait me servir grandement pour un boss. Je n'ai essayé le pouvoir de vent avec Rowan, et c'est pas trop dégueulasse sur eux encore. Plus boosté, ce serait dalle. Oh, faut appuyer par ici, genre pas à droite. À droite, merde. Ok. Hey Elena, comment ça va? Non, l'autre baleine. Non, ça peut être un poney, ça aurait été plus... ok, j'ai un aller. Bon bah, plus de nuages du coup, hein. Nous sommes éventuellement sur la planète Kaio. Sans aucune gravité ici. Putain! Oh, encore cela. C'est quoi ça? Nuclear Launch Detected? J'amourrai vous. Yep, 2 et 2. Ce qui n'est pas un gros souci. Ils vont tous vivre, je crois. Mais bon, on se rapproche de la victoire. Oh putain, Millenia est tellement plus puissante que Elena, c'est incroyable. J'ai dit, ah, ils vont vivre comme Elena, mais non, elle tue. Putain, quoi, quel dieu. Je prends cet argent aussi, ça servira pour Dieu. Il y a encore un groupe de clopés qui était là. Yep. Et par derrière. Qui d'autre encore? Qui d'autre veut les flammes? C'est un cours de mana, moi, de faire attention. Oh, ça me téléporte ailleurs, j'imagine. D'une manière grotesque. Niveau 2. Ok. Oh, cet endroit me dit quelque chose. Je me souviens vaguement. Waouh, ce bruit est affreux! Tiens, une créature qui est ici. Et d'autres yeux. Pas de corbeau. Waouh, Star Wars, non? C'est flippant, en vrai. Nous avons ça encore. Plein de non-œil. Ceci, je crois, un L-Armed. Je crois qu'on peut dropper un truc dessus qui est intéressant. Une arme ou une armure, je ne sais plus. Et si vous voulez farmer, vous pouvez. Enfin, ça va être dur, mais... On verra ce que c'est déjà. Oh, mes seuls font un bruit dégueulasse à mon son. C'est vous, je veux juste vous flinguer parce que vous faites un bruit de merde, vraiment. Ces créatures sont résistantes au feu, il me semble. Bon, ça fait longtemps, j'ai un doute. Alors, vérifions ça. Ok, déjà, pas résistant en physique. Et me lance un pouvoir spécial. Du vent, j'ai l'impression. Ouais, reste en feu. Bien ce qui me semblait. Et tu me lances. Burn Flame. Nao ça. J'en veux pas. Vite. Je crois qu'on l'a eu. Yep, on l'a. Et toi, je m'en bats les couilles. Ça le cancel. On tape, honnêtement. Bon, ça m'a réussi. Donc ouais, si vous voulez éventuellement dropper un truc sur eux, prenez le combat, fuyez, relancez-le, fuyez. Je sais que vous avez au moins un de ces mecs qui a 3 cloches pour le faire. Mais honnêtement, c'est pas non plus la mort. Oh, je me souviens, c'était ça avant? C'est nouveau? What the? Ok, quelqu'un ne m'aide même pas ici.
Je me souviens plus qu'il y avait ce truc au pif qui me faisait ça. Explose ton œil et mourrez-vous. Mina commence à être berserk. C'est mauvais. J'ai pas envie que ça berserk, moi. Ouh, je prends ça par contre. Illusion, mirage et Bond of Trust. Bond of Trust, je sais ce que c'est. Enfin, je sais faire, c'est ça? Yeah, ça en est encore un. Ok. Tu es lent, alors. Yep. Et l'autre, j'avais récupéré deux autres bricoles. Mirage Ring, je crois, un truc du genre. Je sais pas où c'est. C'est pas une arme. Illusion Cloth. Évasion de 5%. Et Mirage, 10 mouvements, évasion de 15%. Ouais, je pourrais avoir une évasion de 20%, mais c'est aléatoire. Et honnêtement, je m'en fous. Tech physique dans ce jeu, je m'en tape. Tout ce qui est chiant, tout ce qui est skill, attaque spéciale. Et vous avez beau avoir l'évasion pour ça, ça marche pas. Donc, ok. Bien, est-ce qu'il y a une stat cachée là-dedans que j'ai omis de voir? Non, juste des mouvements et évasion. Ok, et l'armure booste ma défense de 2, que je m'en tape, et j'ai fait ma essence au feu de niveau 2, donc j'ai pour l'instant niveau 3 au feu. Ouais, c'est bien, zone ici, c'est mob. Elle, Hound, peut m'infliger du feu, donc on est bon. Ok, si on les flamme par derrière, ouais, ces bestioles font un bruit dégueulasse dans mon casque, enfin font un crrrr, du coup je vais éviter la peine. On n'a pas été ici, où c'est la respawn derrière moi? Ton endroit est vraiment bordélique! Je sais même pas où j'ai été ou où j'ai été. Faut explorer ça correctement. Ok, une de ces créatures m'a droppé un anneau joli. Qu'est-ce que c'est? Pretty Ring. Anneau qui a beaucoup de valeur. Je pense valeur monétaire, pas valeur genre oh, c'est une bague de mariage! Ouais, et avant que j'oublie, mon gars est empoisonné. J'ai été touché! Faut dire quand même, tu n'es pas invulnérable! Vogel, je suis invulnérable. Mais pas à poison du tout. Je prends ça, merci. Battle Manicure. Laisse-moi deviner, c'est une arme pour elle, forcément. Une armure pour elle. Bordel, c'est quoi cette merde? Manicure, forcément pour femme. Accessoire. Zako. Putain, c'est où encore? Ça peut être ici. Lila. Ouh, c'est énorme. Plus 5, c'est la valeur maximum que vous pouvez avoir. Du coup, un Cyan Mega boost un de méga en puissance, il y aura plus 5 d'un coup. Je pourrais quasiment gagner ça pour le boss de fin. Je lance souvent d'autres dans le jeu, mais c'est vachement utile. Booster à 5, c'est chiant. Faut en gros booster avec un pouvoir, booster de 2. Un autre pouvoir, boost de 2. Et encore un pour avoir accès à 5, pas 6. Donc 5 d'un coup, c'est un gros coup de main, vraiment. Ok, allons voir ce qu'il y a. Oh putain, il y a trop de saloperies, trop de verre. Je suis dans la merde, Mina commence à péter un plomb. J'aimerais qu'elle attende avant de le faire. Peut-être le faire avant. J'espère que non. Mais cet œil n'a pas besoin de 700$. Pourquoi il en aurait besoin? Après le piécien peut-être. Non. Ouais, petit level, à droite à gauche. Ce sera peut-être déterminant sur le combat futur. Et tout ce qu'il y a... Ah, il semblait qu'il y avait un groupe de chiens énormes ici. Mes oreilles vont saigner. Mais pas les vôtres. Vous avez de la chance. Putain, deux. Deux. Ah non, non. Oh, j'ai du cul. J'ai pas crevé, je ne pense pas. Mais un de ces mecs, que j'ai totalement oublié, m'a lancé une grosse arrow de feu. Je ne sais pas à quel point ça fait mal. La magie en jeu, je me souviens plus. J'ai eu peur, et en fait, non, il s'est lancé un buff sur la gueule. Donc, mauvais skill, vraiment. Bonne nouvelle, j'ai utilisé Zap, et ils sont tous morts en un coup. Donc, la foudre marche bien sur eux, le feu, pas vraiment. En même temps, qu'on s'appelle Hellhound, c'est quand même un truc de spécial. Moebius Ring. Est-ce une bague pour transcender le temps et l'espace, comme dans Soul River? Un foiré de Moebius, va. Ok, on va voir ça avant de taper dessus. Moebius, hein? Il est là. Boost magie. Boost attaque, défense, action et... mouvement. Je perds 3 en gros, mais je gagne plus 2 au reste. Ce qui honnêtement m'a l'air de me convaincre. Ouais, c'est décent.
descend. C'est pas OP, mais ça, c'est 20 points, ouais. Mais non, pas 20 points, non. J'ai mal à mes oreilles, c'est terrible. Ouh, j'ai... J'ai failli pas le voir à temps, ça. Là, je prends. Autant de pognon comme ça. Bien sûr. D'accord, c'est une échelle. Je suis pas sûr, vous savez. Et cette arme est placée bizarrement, ni que ce monde est inversé. Quelque part. Ouais. Bon, où est le point de sauvegarde? Je m'ai quand même... me régénérer, parce que je suis vraiment un petit peu à court de tout et... Ouais, pas être trop loin, n'est-ce pas? Point de sauvegarde? Quelque part? Fuck it. Tant pis. Subis ma colère! Ok, on a un petit niveau en plus, ce qui pourrait faire une différence, si son O/ maintenant peut tuer en un coup! Sauvegarde! Et Mareg a eu son level. Espérons que ce soit bon pour nous barrer d'ici. Il semble que oui. Ok, enregistrons, et je mets mes points dans mes talents, mes pouvoirs, accompagner à l'extraordinaire. Ok, bon, du coup, ce que j'ai amélioré, Kikosa OE, en termes techniques, de dégâts. Et genre Starving Tang, j'ai amélioré le pouvoir de glace. J'ai beaucoup amélioré la magie pour avoir accès à la magie de soins de groupe avec Rudo, du moins avec l'œuf de Rudo, l'œuf sacré. Ouais, allons là-dedans. Ça n'a pas l'air si effrayant, n'est-ce pas? Parce que ici, quelque chose va arriver ici. Qui pourrait arriver de si mal? Pas, mais je l'aime, c'est scripté, je n'ai pas le choix de le faire. Crois-moi, enfin, jeune femme plutôt, jeune dame, jeune demoiselle. Je sais pas. Merde. Ouais, c'est vrai. Waouh, c'est un gros œil que tu as. Imaginez quelle forme va avoir le boss. Serait-ce un œil? Non, ce n'est pas un, non. C'est surprenant, mais ce n'est pas un. Oui, un petit peu, mais c'est pas un gros œil. Ce combat est... On rappelle encore... Chiant. Vous allez savoir pourquoi. Ok, votre calvaire commence maintenant. Pourquoi? De part, vous avez le boss qui a plusieurs morceaux. Morceau droit, son cœur, son corps, qui a un point de vie qui est au-delà de 10k. Donc, vous sachez, le gauche. Et nous avons ces 4 saloperies. Donc, en gros, pour ce combat, vous êtes 4 contre 7. Ces créatures ici vont vous ralentir à mort en balançant Delta Burst. Ça va être littéralement chiant et ça va cancel beaucoup de mémoire. Le droite ou le gauche inflige poison, confusion ou sommeil ou les trois. Donc si tous vos gars dorment, les gars sont confus, c'est encore plus le chaos dans la team. Donc ouais, ma priorité bien sûr, c'est de flinguer cela avant, dès qu'ils sont ralentis et virés. Moi, je suis libre. Pour l'instant, nous avons Ryudo. Et même si maintenant j'ai un pouvoir de soin de groupe qui est cool, et un pouvoir de terre en AE, je vais quand même, et un pouvoir de glace mono-cible, je vais quand même utiliser Tensei pour essayer de flinguer au moins un de ses yeux le plus vite possible. Malheureusement, ses yeux sont placés de manière tellement chiante pour vous. Ils ne sont pas collés au corps à corps, ce qui vous empêche de lancer une AE qui va tout flinguer. Donc, yeah, pour l'instant, on va DPS celui qui risque de me faire chier. Et pour l'instant, c'est lui qui va lancer Delta Burst sur Millenia. Donc, yep, j'en celui-ci. Alors, je sais, il ne sera pas cancel, mais tant qu'il est ralenti, moi, je peux balancer Starving Tang et espérer ne pas me faire cancel entre deux. Donc, yep, c'est bon ça. Il a touché Rudo. Et lui est... juste là. J'ai encore ma chance. Et lui lance quelque chose que je ne sais pas encore. Mais à mon avis, forcément, Delta Burst. Donc, yep, sans m'empêcher de me faire cancel de début. Ok, donc le DPS sera infligé. C'était pas capital énorme, mais maintenant, Millenia va peut-être pouvoir passer en mode berserk et lancer un autre relativement vite, je l'espère. Ok, Mareg. Lui va être cancel. Lui. Oh, lui non.
J'ai lancé Hammer sur lui, mais va attaquer avant. J'ai aucune chance de l'avoir, donc mon gars va être ralenti pour que dalle. Ok, mais ça se plinguer. Celui-ci du coup. Espérons que ça inflige au moins 1400 de dégâts, j'en doute. Yep, mais bon. On fait ce qu'on peut. Pas mal d'avoir une sacrée gueule, on le verra en vrai, hein. Bien sûr, le skill vous... Oh, je l'ai eu. Parce que mon skill l'a ralenti. Bien joué. C'est prévu. C'est prévu. Bon. Crackle. Ça a piqué. Et me ralentir aussi. Ouh. Yep, Delta Burst. Je crois que plus ils sont nombreux, plus ils font mal, mais c'est pas, je sais plus. Et sommeil sur Ryudo, ce qui est con, c'est le seul mec qui me heal pour l'instant. Donc s'il meurt, c'est la merde. Ok, et on n'a pas assez pour en faire bien sûr un deuxième, ce qui est très très chiant. Bon, faut que Ryudo vive. Mais pour l'instant, j'aimerais moins flinguer le reste. La caméra a plus du cul, mais je peux pas savoir où je tire. Il y en a un qui est isolé là-bas. Lui qui est là. CPS là, je m'en touche. Je touche le boss, ça fera pas grand chose. Et Rowan est juste après moi. Millenia pourrait crever aussi. Ce sommeil va être très très chiant. Faut que j'espère ça. Mais faut que je flingue aussi. Yep, pour la magie, si j'arrive à en paralyser un, pour ne sais pas quelle raison, ça pourrait fonctionner. Yep, go! Et Rowan va me filer un coup de main avec du soin, ce sera déjà ça. Soin de base, soin. Soin rapide. Il est plus rapide à lancer, du coup il pourra agir plus vite. Oh, merci mes oreilles, merci. Espérons que je peux quand même toucher correctement. On est un déjà, sûr, mais... Oh, il a survécu. On a eu un, mais... Le boss est très très lent à arriver. Tu flingues celui-ci. Si l'autre DPS, Millenia, elle crève. Quelles sont les meilleures chances d'y arriver? Tu n'as également aucun objet de... que je peux faire. Tu fais quoi toi? Tu attaques Rowan. Que je m'en fous. Toi, tu attaques Rowan. Millenia. Je pense que Rowan a la chance d'arriver avant. Le problème c'est que si ce mec, deux mecs là, DPS Rowan, va être ralenti. Du coup il pourra pas, il. Yep, je vais flinguer celui-ci avec un overkill. Je veux être sûr qu'il meure. Blitzking Flash pourrait suffire, mais c'est un risque que j'ai pas envie de prendre. Le boss est rapide quand même. Ouh! Il va crever, je crois. Je compte son berserk, mais. On a vu trop tard. Du DPS. Lui, ce qui est chiant. Ouh! C'est son gros skill. Et je peux pas le cancel. Je ne peux pas le cancel. À cause de celui-ci, l'œil qui est là. Tu attaques Ryudo, toi, mais tu es loin. Je peux flinguer celui-là, au pire. Mais c'est pas ma priorité absolue. Ma priorité, c'est de sauver Ryudo et Millenia. Un hammer ne l'aura pas. Je vais quand même essayer. Et c'est DPS.
pour au moins essayer de ralentir et que mon île puisse passer à temps. Je crois que ça a marché. Non ? Et plus pour l'instant, ne DPS pas. Il attend encore. Donc je suppose qu'un de ses coups est passé. Ou je le cancel aussi. Que sur spell, je ne veux pas en voir la couleur. Pas du tout. Non, vire-le-moi, j'en veux pas. Ouais, pour l'instant, tu parles. Ok, bon. Ce skill, je vous en parlerai plus tard, comme on va le tuer, on va forcément l'absorber. Et du coup, bah, ça va à l'avance. Poison, je m'en tape, c'est chiant, mais... vivre avec. Où est mon gars? Tu es à côté. Parfait, tu vas... tu vas Fang, celui-ci. Est-ce qu'on l'a? Yep, on l'a. J'aurais dû vous faire flinguer l'autre pour être sûr qu'il soit mort, mais... Pollen, c'est quoi Pollen? Confusion? Confusion. Yep, confusion pue. Heureusement, on a ce qu'il faut pour ça. Tu infliges Pollen. Tu attaques, je m'en tape. Et tu es encore en vie, ce qui est chiant. Même Lénia, parce qu'on ne peut pas s'occuper de toi. Pour l'heure, je dispelle ça, moi. Poison, paralysie, paralysie. Confusion! Non, pas lui. Parfait. Ok. C'est pas, c'est pas poison, donc c'est bon. T'as quand même chiant, toi. Mais, pour l'heure actuelle, ce qui me fait le plus chier, c'est le boss. Ok, commençons à taper un peu dessus, quand même. Nous sommes réussir à baiser le boss avec un de ces trucs qui volent en passant, avec une AE. Si bien sûr une balance Delta Burst, je le flinguerai au préalable. Ouais, il m'a pas beaucoup ralenti donc ça passe. Ça c'est auto-attaque, donc je m'en fous. Oh, spell binding. Ok, alors je remove ça assez vite. Je ne peux plus rien faire. Tu peux essayer de cancel au pire, de ralentir. Et bien sûr, flinguer les morceaux avant. C'est quoi? Il est seul, il est trop loin. Il est trop loin, mais... Rowan peut le choper. Le gauche ou le droit? Ça flingue le gauche, tant qu'à faire. Yep, go. Oh bah, quand on parle du loup... Pas quoi t'as Starving? C'est quoi ça? C'est quoi ce pouvoir? Je connais pas. Ça a rien fait, mais... Pas grave, tour suivant, son énergie sera générée, donc elle pourra... Yep, elle attaque très très vite. AOE ou quoi? AOE pas terrible. Mais AOE pourrait suffire à... Non, on va Dragon Rise sur le droite. Elle va sûrement lancer une AOE, soit de feu, soit... du vent. Oh putain, ça excite. On n'a pas réussi à l'avoir malheureusement. Et elle fait spellbending sur l'autre. 7 points de vie, c'est con. Ok, et on va cancel celui-ci. Je veux pas avoir ce pouvoir là, pas du tout. Ok. Ah oui, alors je savais ce jeu de berserk avant. Ça m'a aidé. Je m'en ai contrôlé, mais. C'est toujours pas ce qu'elle fait. Je vais flinguer celui-là. On va attendre. Dans l'autre, je t'attaque. Non, c'est du vent. On l'avait pas eu. Ouh, un nouveau manaeg. Ce manaeg pour, à votre avis, pour Mareg. Tu as assez pour quoi? Oh, elle a du soin. Tu veux soigner? Toute ma gueule. Pas de soin ici, mon gars. Non, 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 non. Oh, elle adore ce pouvoir. Même s'il n'est pas efficace sur lui. Enfin, ça l'a quand même tué, donc... Tant mieux. Nous avons quoi? Un couteau. Et tu vas... Il y a une action en cours, mais je sais pas quoi. Au pire, fais celui-ci. Son truc qui est sûrement... D'huile. Ça passe.
et Millenia, les plus berserk, dont je peux en prendre le contrôle, encore une fois. Il me convient parfaitement. Ok. Là, on est bon, là. Je suis trop inquiété. Son coup fait quand même peur, mais pas à un point dramatique. Spellbending, oh j'en veux vraiment pas. Non, tu vas ralentir pour l'instant. Et tu vas essayer de cancel. Oh parfait. Quand j'en veux pas, j'en veux pas. Encore? Non, il. Et on l'aura pas sur son skill. Donc on va juste brûler au corps à corps, respect que ça. Fâche, attends. J'ai un pouvoir offensif, moi. Important. Je peux speedy sur Millenia. Non. Au point actuel. Combien quasiment fini. Balance ça, ça devrait être plus puissant que le reste. Et tu n'as rien de cette manière, donc... Tu peux delay un peu. Ton coup est lent, donc il peut cancel. Boink. 900. Je le prends, je le prends. Et il est super lent maintenant, super loin du moins. Hey, c'est dans celui-ci. Il doit pas être très puissant, parce qu'il n'est pas amélioré pour l'instant, mais on peut au moins voir ce que ça fait. Ouais, mini cinématique pour ce skill là. Tout de même. Ce skill est bon pour booster vos combos. Bijouche. Plusieurs fois. Eh, quand même. Vous n'avez pas à m'attendre à genre 800 DPS, moi. Bon bah, Rowan, tu vas aller finir avec Golden Hammer de Gilgamesh. Oh, ouais. Bon, vu comme ça, ça n'a pas l'air trop dur, mais je vous l'assure, celui-ci peut vous botter le cul. Ces skills, ces sports qui infligent confusion au sommeil peuvent toucher en AE. Donc si vos gars sont rassemblés à cause de différents adversaires qui vous poussent dedans, ça peut être chiant. Je me souviens que la première fois que j'ai joué au jeu, je me suis fait genre sommeil et confus. Et quand genre deux mecs ou trois sont confus au sommeil, c'est la merde. Nous avons quoi? Oh, Warp Knife, Gravity Egg et Demon Steel. Oh, deux levels en plus. Ok, on verra ce que c'est. Dès que je serai libre. Nous l'avons tué. Nous sommes des vrais héros, des vrais bâtards. Ou les deux. Respire encore. Mais l'autre aussi respire aussi. Yep. Pas toujours une réponse à n'importe quoi aussi. Nope. C'est mort. Hein? Ce que tu fais là? Comment t'es rentré ici? À la passe des Yeti. Ça sauvera pas. Elle est morte. Comme toi, tu m'as demandé de le faire aussi, donc. Tu mens, elle l'a vu, et je l'ai vu aussi. Moi, je te hais. C'est magnifique. Cassons-nous! Pas besoin. Mais ouais, elle a vu une fois, c'est bon. Mais non, elle était vue d'un coup de main. Sur ces hypocrites, fais-le. Non, fais-le pas. Fais-le. Oh, fais-le pas. C'est quoi ça? Les indécis. On n'a pas le choix, veut le faire. Oui, blablabla. Bla, bla. Je veux cette magie.
plus de fleurs que le désespoir, la tristesse. Le reflet de ce monde. Yep. Mission accomplie. Fille détruite, une. Famille détruite, une. On va en parler plus tard. On est toujours à moi 3, famille 3. Maintenant, me dis merci. Et tu l'as sauvée. Non, elle est morte. Oublie ça, les dames. Tu ne peux pas. Tu vas mourir en solitude. C'est la vérité, je suis désolé. Ouais. Pas contente, mais. Le boulot est fini. Le travail était bâclé. Vraiment. Non, tu l'as fait rêver, c'est ça? Eh ben. Ne te crois pas, non. Oh, peut-être, parce qu'elle a un bon fond. Vraiment, ouais, on se souvient plus. Yep. Haha, t'es percé un jour, fais la gueule. Bah, c'est une personne qui vous troll et que vous la trollez plus fort. C'est dur d'essayer de vous faire croire que c'est vous trollez ou que vous trollez pas. Non, pas Alena, tu pues. Oh, t'es 10 fois plus puissante que toi. Elle me manque déjà. Nous devrions partir. Ah, petit réveillé aussi. J'oubliais qu'il y avait d'autres mecs qui étaient dans le coma. J'ai vu mon loot, je suis content. Hey, du loot! Tu as faim, forcément. Combien de temps sont dormis déjà? Je sais pas, 5 jours, non? Je sais plus du tout. Ou je sais même pas, au final, je suppose avoir un lit. Non, tu joues avec elle. T'es assez rêvé de pornographie comme ça, jeune homme. Trop jeune pour jouer. T'as un jeune rentre chez les autres comme ça, quoi. Même pas frappé, genre je débarque chez toi. Hey, on joue! C'est un gamin débarque chez moi, genre hey, Pokémon! Oh putain, t'as dans la gueule direct, sec. Oh, c'est mon ami, baf. Oh vraiment, je crois que c'est. Non. Ok, bah, tirons-nous. Quoique, une seconde, je vais lui reparler plus pour voir. Il n'y a aucune musique non plus, donc ça se trouve les chevaliers sont encore ici. Où est ton œil? Il est encore là? Pas par son visage? Non, apparemment pas. Merde, vraiment! Je voulais voir, mais... Je suis bloqué par une chaise! Tu avais foutu tes affaires n'importe comment, jeune fille! Bonne chance, qu'elle va faire beaucoup de fleurs! Bah, je viendrai pour les écraser. Bon, ok. Bon, avant d'aller au loin, on va voir ce qu'on a eu. Je sais qu'on a eu une dague pour lui. Ceci, je m'en souviens, est la dague de Warp. En gros, pour ton gars, au lieu de courir, il se téléporte sur la cible. Ce qui est cool, c'est genre une arme ninja pour assassin. C'est super. La différence, c'est que du coup, ça évite qu'il se plante. Quand des fois, vous savez, il donne deux coups. Son deuxième coup touche à côté. Alors qu'ici, il va se téléporter. Si la cible meurt, il se téléporte ailleurs et redonne un coup. Donc il touchera plus simplement. L'autre objet, est, je crois m'en souvenir vite fait, c'est... Yeah, Demon Tears, vous fait attaquer une troisième fois. Donc, au lieu de donner deux coups en combo, vous allez en donner trois. De part, votre DPS va forcément être plus puissant. Ouais. Vous allez recharger plus de points pour vos skills. Et en plus, votre part de combo va être plus grande aussi. Vous devez faire deux, vous en faites trois. Et enfin, voilà. Donc, ouais, c'est là qui est plutôt utile. Juste savoir à qui filer ça. Le filer à lui serait intéressant. Pourquoi j'ai pas équipé mon couteau, moi? Ouais, prends-le quand même, hein.
Ouais, filons-le à lui. DPS pas si... ok, c'est de la merde. J'ai râlé. Mais au moins, il peut DPS du coup plus puissant, relativement au niveau de mes autres gars. Et il se déporte 3 fois aussi. Notez une chose, votre troisième coup n'est pas forcément un coup de base. Vous voyez par exemple, Ryudo, c'est un coup, un autre coup de l'autre côté. Et le troisième coup, c'est un truc différent encore. Faites gaffe, parfois ça peut être du coup plus lent à se lancer par rapport à notre auto-attaque. Donc expérimentez avec vos gars pour voir si le troisième coup est effectivement utile sur un de vos gars ou si c'est lent à se lancer. Et vous risquez de vous faire combo pendant votre combo. Enfin, vous faire contrer pendant votre combo. Donc ouais, la raison pour laquelle j'ai également équipé ces objets ici, sans semer de confusion, c'est justement pour ce boss qui est là. Seulement, je m'étais souvenu que elle virait, j'aurais forcément viré ceci et j'aurais équipé ça sur Millenia à la place, mais j'ai oublié, donc tant pis. Mais maintenant, vous savez. Du coup, tu vas rééquiper ton truc et équiper KO. Et du coup, nous avons un nouvel œuf, le gravité qui inflige feu, terre, explosion. Ok. On va voir ce qu'il y a d'autre dessus. Les gravités. Nous avons quoi? Du soin pour l'instant, feu, éventuellement burn flame aussi, pour servir. Tremblement de terre, sommeil, nous avons confusion, wow, des flouzes et freeze. Et bien sûr, d'autres pouvoirs qu'on n'a pas encore débloqués, mais on a pas mal de points, je sais à le faire de mon côté. Et alors voilà du coup si les chevaliers sont partis, ce qui a l'air d'être relativement le cas. Est-ce qu'il est parti pour se cramer encore? Vraiment? Ah! Ce mec est drôle! En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, il lui dit qu'il devrait retourner dans sa crypte et grignoter les os. Comme un chien, parce que avant il était chien de chaîne aussi, mais. Peut-être pas vu ça. Enfin, on l'a vu, mais. Si vous parlez pas anglais, forcément, c'est mort! Ouais. C'est quand même sauvé pour une haute prêtresse n'arrive pas à déceler la corruption dans les lacs. Il y en a un qui est virtueux avec ses prêtres, Ryudo. Ils sont obstinés par la lumière. Hérétique. Je m'en tape, moi. Je suis hérétique. Je ne crois pas en ton Dieu de toute manière. J'aime pas ton costume. Ouais, c'est les vivres, ces pauvres gens. Ils ont souffert assez. Ouais, non. Ouais, tu sais, elle manque de tout un peu, elle manque de puissance, de pouvoir, de cerveau. On fait avec, hein. Regarde ses vêtements, il y a plutôt une bonne, une prêtresse. Ok, mission accomplie, même si on avait rien à foutre ici de base, mais. D'accord. Yep, c'est un peu le cas. Tu vois comment Ryudo a ouvert sa gueule, genre tu vas être bien? Are you okay? En hurlant. Hein. Ouais, il va aller bien, il va aller bien. Yep. Le destin. Récompense, peut-être? Non? At least you tried. Yeah, merci. Non, t'as rien fait. Bordel, vieil homme. Moi, de l'argent, moi. J'aurais aimé vous aider, mais. Connard, là. Du coup, ouais. Millenia, comme on l'a vu à préalable, elle absorbe les pouvoirs. Donc maintenant, elle a accès à un autre pouvoir, l'œil. Je vais pas vous en parler pour l'instant. On va attendre la prochaine fois, quand on aura accès à elle, si on y a accès. Mais l'œil est le pouvoir qui est très pété dans le jeu, mais vraiment pété. Pour l'instant, secret. Mais plus tard, je vous dirai de quoi il retourne. Et du coup, c'est bon. Ok. Allons dehors. Je m'attends ici. Hein, juste voir où est-ce que nous on peut aller. Si moi je peux flinguer les Yeti pour gagner un peu d'expérience. Enfin, un peu de thunes. Ouais, nous pouvons. Donc, ok.
Et directement, Saint-Elme Mountain. On est proche de la cathédrale, je crois. Ouais, soit la cathédrale, soit le bâtiment qui soit sous le nom, en fait. Il y a un village qui est en dessous. La cathédrale est en haut. Donc pour l'instant, on passe par les montagnes, et après, nous serons là-bas. Ok, bon, on se rapproche de la destination. Mais, yep, du coup, nous, on s'est arrêté sur cette victoire concrète. Et le fait qu'aucun mec ne soit mort. Ok, victoire, une fois encore. Sur ce, on se leur suit de la prochaine. Bon jeu, faites-le bien. Et... Ouais. Bzzz.